Hey! Salut Twitch, salut YouTube, bienvenue, on est le 7 juin 1130 après Jésus-Christ et on joue Marius III le Jeune de Provence qui est seulement âgé de 17 ans, qui est déjà un parricide familial puisqu'il a assassiné sa tante, enfin il a exécuté sa tante et on va essayer de survivre sans se faire péter par une révolte comme la dernière fois. Ça risque d'être un petit peu compliqué mais on va tout faire pour s'en sortir. Voilà, on va pas trop lancer de guerre parce que on est en PLS en fait. Donc pour l'instant, on va vraiment essayer de consolider notre règne. La déclaration amoureuse. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah, elle est squameuse, ouais, ok. Alors que je pousse les draps pour m'allonger, je trouve un petit rouleau posé sur mon traversin. Non, c'est mort. Myrine, tu te calmes direct. Alors, faction contre vous, c'est ça qui va être important, les factions. Putain, eux, c'est des fumiers, hein. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, ça serait de les dénoncer pour avoir une raison de les emprisonner. Ceux qui sont faciles à emprisonner, on pourrait les dénoncer. Ok, ne réussira pas, toi. Emprisonné 54%. 54. Putain, il est vraiment nul notre maître espion s'il n'arrive pas à emprisonner les pécores là. Hein. 100% pour emprisonner le duc de Palmyre. Ok, bon, ça on retient que ça sera. Hello, ça écrase quel peuple aujourd'hui? Eh ben, on va juste essayer de pas se faire écraser nous, je pense, aujourd'hui. En tout cas, bienvenue sur le stream. On peut usurper le duché de Curedzia, c'est où ça? On va le faire. Hein. Duché de Curedzia. Et on va pouvoir le donner au Cantancel. Non, ah non, qu'est-ce que je raconte? À qui on va le filer? Ça c'est pas un. En fait, on n'a pas trop le choix. On le file soit à Saint-Gall, moins 41, mais il est terrifié. En fait, c'est lui qui a tout le reste. Ok, on va lui filer à lui, il n'y a pas trop de débat. Hop. Et apparemment, on a trop de terre. Oui, c'est vrai, il fallait filer Marseille. Ouais, on va se concentrer sur les impôts. On a besoin de thunes. Et là. On va essayer de chercher des secrets pour essayer de découvrir des choses qui peuvent mettre nos vassaux dans l'embarras. On peut emprisonner la duchesse Stéphanie de Aragon. 62%, c'est pas beaucoup, hein, franchement. J'ai peur que ça reparte en guerre civile comme la dernière fois. Ça risque d'être beaucoup trop compliqué à gérer. Donc malheureusement, on va pas pouvoir les fumer, quoi. Sans dynastie et un vieux. Salut Boris. Ah bah là, Marius III la Pouqui. 93 ans, bordel. Ok, il ne faut pas un bourgmestre, il nous faut pas un dirigeant. Donc 73 ans, parfait. Hop, on va lui filer la baronnie de Marseille. Comme ça, il canne et on n'en parle plus. Le duc César est influencé, parfait, il nous kiffe à plus 92, on va pouvoir essayer d'influencer quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on commencerait pas à influencer notre cousine et fiancée? Bah déjà on va la tuteler hein. Et si on lui envoie un cadeau, ça coûte 50, on améliore de 56. Et on peut pas encore l'influencer, mais on verra quand on sera marié avec. Les vassaux. Les vassaux, on va influencer le duc Félix de Tertre. Qu'il est balèze. Autant s'en faire un petit pote. Ah, et même pas le prince César de Provence. Il m'aime pas parce que je suis un tyran, oui, en même temps. Oui, à torturer un membre de la famille. Effectivement, ce sont des raisons plutôt valables. Ok, ils ont l'air de s'être calmés après la grosse guerre là. Tant mieux hein, pour eux qui restent calmes un petit peu plus longtemps.
Infidélité. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion, le duc César, a découvert un cachet par mon ami, le duc Thierry. Ah, mais c'est mon ami, je m'en fous. Il a secrètement pris ma tante Mafalda comme amante. Ah, le coquinouf. Le comte Guy, on a 100%. Le comte Guy d'Assouan. Alors là, on a 100%. On l'envoie direct en zonzon. Hein. Voilà, et il va y rester assez longtemps. Tant qu'on n'a pas sécurisé notre. Tant qu'on n'a pas sécurisé notre règne, on va laisser tous les vassaux qu'on capture au fond de nos prisons, quoi. Tac. D'un côté, j'ai envie de progresser, mais de l'autre, si je me prends une guerre par derrière, ça va pas faire plaisir. Alors, Nice. Nice, c'est bon. Est-ce qu'on a des bâtiments à construire? Non, il y a tous les ports qui sont en train de se construire. Tac. Au niveau des recherches, on en est où déjà? Ok, on a presque fini la recherche du trébuchet. On peut rançonner le comte Guy, mais on va pas le faire, il va rester en zonzon. Alors qu'on a un nouvel atout disponible. Ah ouais, putain, on n'avait même pas d'atout encore. Alors, administrateur, ça donne quoi? Plus un diplomatie, plus 3 d'intendance. Opinion de vassal direct, ça pourrait être pas mal ça. Opinion des conseillers plus 20. Rentrer dans le rôle, vos vassaux sont moins susceptibles de rejoindre les factions pour l'indépendance. Ouais, ok. Servir est un honneur. Contribution en impôt du vassal puissant et conseiller plus 20%. Ok. Donc là, ça pourrait nous aider à fortifier. Là, c'est pour plus de taxes. Moins de coûts de construction de bâtiments, ok. Limite du domaine plus 2, ah ouais, c'est énervé, hein. Ouais, là c'est vraiment gestion du domaine. Et là je pense que c'est juste l'argent. Ouais, là c'est juste l'argent. Donc on va commencer par s'assurer la loyauté de nos chers sujets. Et je sais vraiment pas si on a moyen de se débarrasser du parricide familial là, parce que ça va nous hanter jusqu'à la fin de nos jours. Hein. Ça, on n'a pas trop le choix malheureusement. L'empereur de France est toujours faible. Parfait, ça nous arrange. Infidélité. Le duc César a découvert un secret caché par mon vassal, le duc Gilbert. Duc Gilbert, il a plus 11, pas besoin de lui rentrer dans le lard. Mais en tout cas, on a de quoi le faire chanter. Est-ce qu'on peut l'emprisonner facilement, le duc? 100%, oui. Donc, on va le faire chanter. Et on va. On va modifier son contrat, ouais, je sais pas. Ah, il a plein de comtés. On va faire droit de succession, partition obligatoire. Ah mince, ça a déjà été modifié. Aïe. Comment on peut se servir de ce hameçon? Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin, de toute façon. On verra bien comment ça progresse, cette histoire. Ok, le duc Félix est influencé, très bien, il est plus qu'à moins 5. D'ailleurs, les vassaux de notre conseil, est-ce qu'on n'a pas un meilleur intendant disponible? 24! Ah oui. Ah oui. Hop, on y va direct. Est-ce qu'on a un meilleur chancelier? Pas vraiment. Mais on a un meilleur maréchal, mais bon, le maréchal est un de nos vassaux rois. Donc on va pas le jarter de là, et le maître espion, on a ce qui se fait de mieux, hein, plus 23, donc on va rester comme ça. Alors, quai étendu à Arles, Béziers, Montpellier, Toulon, ok, voilà, ça va coûter cher. Hein. On va tout construire, de toute façon c'est les bâtiments éco, au plus vite on les fait, au mieux c'est.
Ouais, malheureusement, je pense que. Ouais, de toute façon, c'est même pas terminé. Allez, si là, on peut. Hop, faire ça. Incrédulité. Alors qu'il a rempli ses fonctions, un maître espion a découvert un secret caché par mon vassal, le bourgmestre. On s'en fout. Les bourgmestres, on s'en bat les steaks. On veut des secrets sur les ducs. Ou les rois, encore mieux. Construction achevée. Écurie du chasseur. Ah, mais si, je crois que en ayant des hameçons, on peut faire en sorte qu'ils ne rejoignent pas les factions. Si je me trompe pas. Non. Hameçon que vous détenez, ouais, voilà. On peut pas faire en sorte qu'il. Voilà, je vais regarder. Dans les factions. Est-ce qu'il en fait partie? Bah non. Il faudrait que j'essaye de choper un hameçon sur un mec qui est dans une faction pour me destituer et pour voir si ça me permettrait de l'enlever de là. On peut déclarer 25 guerres, oui, bon, bah, ça va. Des vassaux puissants attendent un poste au conseil, oui, bah ça je sais, mais les places au conseil sont chères. Faction contre nous dissoute, parfait. Hop là, on fait ce bâtiment. Albi, on est en construction. Fort Calquier. On peut rien faire après Fort Calquier. Infidélité. Le duc Barthélemy est un coquin de Damas. Ok, en plus, je crois que lui, je l'ai vu quelque part. Non, pas du tout. Ok, en tout cas, on a un secret. On va rançonner le comte Guy, hors de question. Tu resteras dans les geôles jusqu'à ta mort. Là, on construit les terres de pâturage. Deuxième dans la ligne de succession du duché de Galice. Intéressant. Bon, il faudra encore assassiner des gens de notre famille, c'est un peu chaud. Il nous faut un nouvel intendant. Ben voilà, le duc de Transjuranie fera parfaitement l'affaire. Et promouvoir la culture, pour l'instant, on n'en a pas besoin, vu qu'on est déjà chef de notre culture. D'ailleurs, ça, ils commencent à bien convertir d'eux-mêmes, j'ai l'impression, les vassaux. Qui continuent. Hein. Ma sœur a été faite prisonnière, comment ça? Même pas la racheter, bon, très bien. Infidélité. Le duc Guigues. Duc Guigues de Cordoue. La culture n'en a pas besoin. Ah, c'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est le gouvernement. Il a secrètement pris Ida, la fille du duc Léon de Brabant, comme amante. Mais elle est vieille. Après, t'es vieux aussi. Ok, c'est bon à savoir. Est-ce que le duc de Cordoue fait partie? Non, il fait pas partie il ne fait pas partie d'une révolte. On pourrait modifier son contrat, mais il est déjà assez énervé son contrat, donc on va garder le hameçon bien au chaud pour l'instant. Alors, ma pupille Stéphanie est devenue adulte et la tutelle prend fin. Et ben parfait, du coup on va pouvoir se marier. Voilà, l'impératrice Stéphanie nous kiffe. Au niveau de l'influence, on est à moins 43, bordel. Ben, désolé pour toi, Félix, mais on préfère courtiser notre femme, histoire qu'elle nous kiffe. Eh oui, le petit digue. Mon cher neveu, j'accepte volontiers votre proposition de mariage, parfait. Alors, nous, on est balèze en diplomatie, du coup. On est balèze en bagarre aussi. On va l'impressionner avec un combat d'entraînement. Ah bon, ok. Ça a l'air de lui plaire, mais alors faites voir les traits de la conjointe. Ok, elle a des très bons traits en diplomatie, ça c'est parfait, ça va nous permettre de nous faire un petit peu plus respecter par les vassaux. Hein. Donc ça c'est nice. Pour mon mariage avec l'impératrice Stéphanie, le pays s'attend à ce que nous organisions une somptueuse cérémonie.
Alors, soit on collecte des sous pour le mariage, soit on obtient 350 de prestige. On est pété de prestige et on peut pas en dire autant de la part de la thune. Du coup, on prend l'argent. C'est une règle générale dans la vie, prenez l'argent. Tac. Trébucher. Ok, trébucher c'est good. Du coup, on va commencer à rechercher les hommes d'armes. Hop. Chevalerie, ça fait quoi? Les enfants qui terminent leur éducation avec un intérêt d'éducation en martialité obtiennent un trait étudiant en chevalerie. Oh, c'est stylé. Efficacité des chevaliers, opinion de vassal direct, ah, c'est pas mal aussi. Et ça, c'est pour les bâtiments militaires. Ok, non, on va quand même privilégier les hommes d'armes pour l'instant. Histoire d'avoir des armées solides qui pourront défoncer nos vassaux. Alors, arbalétrier. Ça contre l'infanterie lourde et les cavaleries lourdes. Ok. Bon, on verra plus tard. En tout cas, là, maintenant qu'on a des trébuchés, et vu qu'on compte pas faire de guerre immédiatement, on va pouvoir détruire le régiment d'Onagre, détruire le régiment de Mangono. Quoique, on a détruit les Onagres pour l'instant. On va former des trébuchés. Et on verra avant de s'exciter à détruire d'autres choses. Trébuchés, on va augmenter les tailles, on va passer au max. Qu'on pourrait allez, bon, on va faire pareil. Hein. Tac, on dégage les mangonos comme ça. On se fait des armées avec la fine fleur de la technologie française, n'est-ce pas? Avec un max de trébuchets. N'oubliez jamais vos trébuchets, ça peut toujours servir. La culture, c'est pour les riches, c'est ça. Et vu qu'on a 11 de gold pour l'instant, la culture, c'est pas pour nous. La bête sauvage. La douce dame Stéphanie, soupirai-je en m'agenouillant devant elle. Mon seul désir est de vous honorer et de vous rendre heureuse. Je vous en prie, dites-moi comment vous prouvez mon amour. L'impératrice Stéphanie hésite et rougit. Pardieu, j'espère qu'elle est contente et non gênée. Tuez un loup pour moi, et apportez-moi sa peau. Ensuite, nous pourrons continuer cette conversation. Ok, étrange. Vos désirs sont des ordres. 61% de chance d'avoir plus 10 dans la réussite du complot. Ou alors de revenir avec les mains vides. Ou alors j'ai vu une bête hirsute dans le chenil. On ramène pas du tout un loup, on ramène un gros chien quoi. Là, 38% de chance qu'elle nous capte. Je vais soudoyer un chasseur, ça coûte 150. Les coffres sont vides. Les coffres sont vides, Stéphanie. Et tu nous demandes ça là? Bon bah vos désirs sont des ordres. Hein. Ah, on a raté. On est revenu gros couille de la chasse. Meurtre. Alors qu'il a remplacé ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret caché par mon vassal, le duc Amaury. Intéressant. Le duc Amaury. Et j'aimerais bien qu'on découvre aussi qui a assassiné notre père. Ça m'intéresse fortement. Ouais, le duc Amaury, on va le faire raquer. Hein. Hop. Ah non, on l'a déjà modifié, putain, je suis un tarde. Ok. Ok. On va demander de la thune au pape, hein, absolument. On va absolument faire ça. D'ailleurs, on en est où de la ferveur? 82%? Mais qu'est-ce qu'on attend pour la croisade? Qu'est-ce qu'on attend pour la croisade? Ok, il nous file la thune, c'est parfait. En termes de bâtiment, là on est au max. Au max. Ah, là on peut construire. Hop. Ok, notre patriarche, on va l'envoyer fabriquer une revendication sur Uz parce que ce comté nous appartient de droit. Et on va pouvoir l'enlever à notre vassau. Une fleur rare. Alors que ma bien-aimée et moi marchons dans les rues du jardin d'Arles, non, dans les jardins de Arles, je lui montre la verdure qui nous entoure. Malgré leur beauté incontestable, il n'y a pas une seule fleur qui rivalise avec la vôtre, madame. Ok. Il y en a une, répond-elle avec un sourire malicieux avant de préciser. Une orchidée rare de Manaticoran qui est presque impossible à cultiver. Les ruines du monastère de Daraya sont le seul endroit où elle pousse. Putain, ce qu'il faut pas faire.
Du coup, 150 balles pour avoir le cadeau spécial. Je braverai pour Sabrine pour vous. 85% de chance de réussir, 1% de chance d'être blessé. Ou alors, elle ne sort rien comparé à votre beauté. L'attaque en botte en touche, on va faire ça. Faction formée contre vous. Ok, pas de faction pour l'instant. J'ai l'impression que ça a coupé. Dites-moi si c'est revenu. Je crois que là c'est. Ah, ok, ça marche. Bon, tant mieux. Alors, du coup, déviance. Mon maître espion a découvert un secret caché par mon vassal, le duc Amaury. Ok, le duc Amaury. Oh là là, mais il est déjà. C'est un meurtre et en plus un déviant, quoi. Et bah, très bien. C'est noté. D'avoir des squelettes dans le placard, lui. J'aimerais vraiment qu'on trouve qui a tué notre père. Hein. Franchement, lui, on lui ferait du sale. Encore l'histoire des roses. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Je vous invite par la présente à un festin à ma cour. Avec plaisir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a. Déjà, il y a une nouvelle musique. Et en plus, il y a plein de petits duchés qui ont pris leur indépendance sur le royaume de France. Du coup, bon. Proposer la vassalité, ils voudront pas. Toi, tu veux la vassalité? Non, tu ne veux pas. Petite musique sympathique. Okay. Bon, bah, de toute façon, pour l'instant, on a dit pas de guerre, hein. On a trop peur. Un accueil chaleureux, j'ai hâte. Ça va, la musique est pas trop forte? Ouais, c'est clair, ça s'ambiance. Le festin, le dilemme. Alors que la fête s'amenuise, je suis en pleine conversation avec mon vassal imperturbable, le comte Bohémond. Il me demande mon avis à propos des bienfaits de la famille. C'est un sujet qui l'intéresse beaucoup. Allez, ben, nous, on a une amitié avec le comte Bohémond, hein. En plus, on est pote, mieux c'est. Hein. Ok. J'ai bien envie d'attaquer la Gascogne, quoi, mais un peu la flemme de prendre le risque de lever des troupes. Après, peut-être que j'ai un peu trop peur pour pas grand-chose. Hein. Je sais pas vraiment. Vu le traumatisme que j'ai vécu hier, je me dis, c'est chaud. Un repas avec mon ami, ok, parfait. L'intrus, ma bien-aimée est en danger, je dois la sauver. Hop, on la sauve. Je ne vous laisserai plus jamais vous mettre en danger. L'impératrice devient notre cousine, femme et âme sœur. Ok, d'ailleurs, il serait temps de faire un héritier, hein, les enfants. Du coup, qui est-ce qu'on va... Allez, on va... Le duc Robin de Transjuranie ou le... Allez, le duc Félix de Taërte, on va l'influencer. Hop. Le festin sur le retour. Au revoir, mon ami. On devient festoyeur enthousiaste. Parfait. On est à 82 de redoutabilité. Du coup, on va exécuter des prisonniers. On n'a plus beaucoup de prisonniers en vrai. Hein. Notre réserve à redoutabilité est en train de s'amenuiser. Oups. Il y en a, ça fait combien d'années qu'ils sont en taule? Temps en prison. 24 ans, bordel. 24 ans au cachot, quoi. Dur. Ah, en plus, c'est notre rival, lui, donc il va y rester 24 ans de plus. Hein. En termes de recherche, dans combien de temps on aurait les hommes d'armes? Dans 10 ans. Ok. Là, on a quoi? On a un régiment de piquiers, un régiment d'archers. Une cavalerie légère et deux cavaleries lourdes.
Et deux trébuchets, ok, très bien. Un nouveau mode de vie d'intendance. Gérer les affaires intérieures plus 25%. Alors oui, bientôt pardonner, ça nous baisse la tyrannie, on veut pas trop. Ouais, on va passer plutôt de ce côté-là. Tac. Du coup, ouais, gérer les affaires intérieures, c'est parfait. Opinion de vassal direct plus 15. Ah oui, ça fait du bien ça. Du coup, toi là, tu vas plutôt former les commandants. Ça va nous faire économiser un petit peu sur les hommes d'armes. Et toi, tu recherches toujours des complots. Parfait. Chantier naval à Arles, chantier naval à Toulon. Ok, on est au max des bâtiments. On a remonté un petit peu en thunes, ça fait plaisir. Et là, on va améliorer leur bâtiment aussi. Tac, parfait. Il est plus à une année près dans les cachots, tu peux le laisser. Ah oui, c'est clair, à 28 ans, on l'a oublié au fond d'une geôle. Un dirigeant voisin gagne la guerre. Ok. Donc, le gars de notre dynastie est en train de se. Ah, il s'est fait erect, j'ai l'impression, la Mésopotamie. Juste avant, il l'avait. Si je me trompe pas, il avait conquis ça, mais il a dû se faire éclater. Triste pour lui. Dommage qu'ils veulent pas être vassal. On pourrait demander une revendication pour le conquérir, mais un petit peu flemme pour l'instant. Après là, on est arrivé dans une certaine stabilité, j'ai l'impression. Donc je me dis, c'est parti, on peut retourner à la filoche, hein. En plus, on a nos nouveaux trébuchets, on les a payés un bras, on veut les tester. Ce serait dommage de s'en priver, quoi. Est-ce qu'on attaque le mec de Gascogne? Bah oui, on va l'attaquer, hein. On peut même se permettre de faire une guerre sainte, vu que c'est un. Quoique, en fait, non. S'emparer du duché de Gascogne, ça coûte 450 de prestige. On a vachement plus de prestige que de piété. Du coup, on va lui déclarer la guerre. Comment ça se fait qu'il avait déjà ses troupes levées? Ah, je suis pas le seul à essayer de lui péter la tronche, donc je vais me dépêcher. Et il va falloir que j'assiège avant le duché de Bretagne, qui lui aussi il a déclaré la guerre. Hop, on va tout lever ici. 2 mois pour lever les troupes, bordel. Déviance. Qui est déviant? Mon ami est déviant. Ça va, c'est le poteau. Allez, on y va. Salutations, mon ravissant seigneur Lige. Non, il va falloir que tu continues à trouver des secrets. Je veux savoir qui a assassiné mon père. La voix de la raison. Une autre réunion du conseil, un autre conflit. Mon maître espion César et chancelier Godefroy se disputent violemment au sujet de la guerre en cours. Je pourrais les faire taire avec un seul mot, mais j'ai une meilleure idée. Mes activités diplomatiques m'ont permis de comprendre comment gérer des situations comme celle-ci pour contenter tout le monde. Gestion des conflits. C'est bien ça, Marius, c'est bien. Alors, soit on se range du côté de Godefroy, soit on essaie de trouver un compromis pour que tout le monde soit content. On va faire ça, parce qu'on a que 10% de chances que ça rate. Au mieux, enfin, plus de chances, 50% qu'ils nous kiffent les deux. Et encore mieux, on chope un hameçon faible sur eux. Est-ce qu'on a eu des hameçons? Non, mais on a pris plus 15, plus 15. C'est parfait. Les fiancés peuvent se marier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, c'est pour l'alliance avec l'Empire byzantin. Bah ouais, hein. On veut la garder, l'alliance. Mais par contre, le truc, c'est que là, ça va donner des excellentes stats à l'Empire byzantin, quoi. Pourquoi il nous déteste? Ah oui, forcément, il n'est pas catholique. Allez, on rassemble tout ça. J'espère qu'on va être bluffé par la rapidité des sièges avec des trébuchets. 2 mois, ok, bon, ça change pas trop.
peu un choqué et déçu. Ça, c'est qui ça? C'est le duché de Bretagne? Comment ça, c'est le duché de Bretagne, ça? Elles sont chelous, les armoiries du duché de Bretagne. Je savais pas qu'il y avait des quadrillages, je savais qu'il y avait l'hermine, mais ouais, ça me dit rien. C'est peut-être l'ancien, je sais pas. Le siège de Bayonne. Allez, plus de 3 jours. Là, on va éclater les troupes bretonnes parce que c'est nous qui sommes spécialisés dans, la panure d'hérétiques. Donc, c'est nous qui les fumons. Personne d'autre. Fort Calquier, non. Albi, non. Là, est-ce que je peux construire? Ok, on est au max. Ah, peut-être à Marseille. Non, Marseille aussi, on est au max. Le baron n'est toujours pas marié, il n'a pas d'enfant, c'est parfait. Alors j'espère qu'on les chope. Ça va nous faire du bien au moral, une petite bataille facile à gagner là. Paf. Votre gloire est bien connue, et ben c'est parfait. On finit la bataille. On poursuit leur siège. Parfait, ils nous l'ont préparé, on va le terminer. Allez, allez. Et on va sûrement passer à 100%, 75, 99. Oui, bon, ça va, c'est une affaire qui roule. Il nous faudrait là pour compléter. Ben, on va y aller, hein, de toute façon. À moins qu'on passe à 100 avant d'y arriver. Pas vraiment. On peut organiser un banquet, on va s'empresser de le faire, histoire de se faire apprécier de nos vassaux. Bienvenue, mes amis. Mais mes amis, ouais. La moitié se sont rebellés, putain, et j'ai même pas pu me venger, quoi. C'est pas grave, tout vient à point, à qui s'y attendre. Le festin dans ma demeure, j'ai fait tout ce que j'ai pu en veillant à ce que le duc Guillaume et le bourgmestre Guillaume soient aussi loin l'un de l'autre que possible. Ah, ils se détestent, du coup ils se sont tapés dessus. Soit on prend du 150 de prestige, soit... Bah non, on va se ranger aux côtés du duc Guillaume de Savoie. Hein. Bien entendu, le bourgmestre, même s'il si nous kiffe pas, on s'en bat les steaks, alors que le duc, c'est mieux s'il nous kiffe. On ouvre notre réserve secrète de Pinard. Non, notre femme a fait une fausse couche. Ah, c'est fâcheux ça. C'est fâcheux. Alors qu'on finit le siège d'Agen. Le départ de mes invités, parfait. Allez, allez, plus que 9 jours. On est quand même à plus 20, même en levant toutes les troupes, ça c'est cool. C'est vraiment les bâtiments économiques qui font la diff. Hein. 100%, on appuie les exigences. On s'empare d'un petit bout du duché de Gascogne. Il nous reste deux comtés pour le compléter, le comté de Marsan et le comté de Bordeaux. On va disperser les troupes. Hop. Faction. Alors il y a des histoires de factions là. Ok, bon pour l'instant ça va. On peut créer le royaume de Navarre. Eh ben allons-y. Hop. Parfait. Et du coup je pense qu'on va pouvoir déclarer la guerre à l'Empire de France. Pour s'emparer. C'est où ça? Ah, c'est là? Non. On veut s'emparer du reste du duché de Gascogne. Allez, on y va. C'est la guerre! Encore une fois, l'Empire de France va déguster. J'ai toujours un petit doute dans le fait de lancer des guerres. Là, je me dis, franchement, s'ils commencent à tous s'énerver, le vassaux d'un coup, on est mal, quoi. Mais bon. Ah d'ailleurs, c'est un hérétique lui, je peux lui dire... je peux exiger une conversion en fait. Et s'il ne veut pas, eh ben je le fume. C'est aussi simple que ça. Ok, on va tout lever ici.
Et on va séparer notre host en deux. Ma foi est trop forte. Ok, bon bah dès qu'on finit la guerre. Ah non, je peux t'emprisonner. Non, 27%. Ok, bah j'attends de finir la guerre. Et après, je t'emprisonne. Ok, on peut appeler des alliés, mais ça, on en a pas besoin pour l'instant. Le duc Félix est décédé. Ah, c'est pas chaud. Du coup, son successeur, c'est le duc Arnaud de Tertre, qui peut pas nous blairer non plus. Qui est-ce qu'on va influencer? Le duc de Barcelone, hein. Allons-y. Tac, tac, tac. Okay, ça se passe bien. Ça se passe bien, ok. Je pense que j'espère que le pire est derrière nous, quoi. Alors qu'il remplissait ses fonctions, mon maître espion a découvert un secret caché par le comte Bohémond. Le comte Bohémond de Zamour. Bon, ça va, le comte Bohémond me kiffe, donc je vais rien faire contre lui. Tac. Ok, il faut nommer un commandant. Guerrier saint, soldat mort ami, moins 25%, ça c'est pas mal. Hop. On sépare ça en deux. Un secret dévoilé. Le duc Thierry a été accusé. Ce crime ne peut rester impuni. On emprisonne la comtesse Mafalda. À dur. Bah tant pis. Hein. Je peux pas me permettre de perdre la piété. Mais du coup, la comtesse Mafalda. On peut la rançonner en fait. C'est même pas une de nos vassales. Ah, pour la rançon. Ah, pour 8. Bon, bah non, on attendra que t'aies de la thune. Hein. Ok, du coup, on a séparé ça en deux. On envoie la moitié à Marsan. Et l'autre moitié à Pau. On va voir les sièges. 2 mois. 3 mois. 3 mois. Oh là là, avec des trébuchés, on met 3 mois. Scandaleux. Donc ils nous ont pris Orléans, comme d'hab. Là ils continuent vers le sud. Allez, allez. Non, il faut continuer à chercher des secrets à la cour. Parfait, on va mettre le siège de Bordeaux. Après avec cela on ira à Armagnac. Ah, on a chopé le duché de Bretagne qui était sur le chemin. Très bien. Ah ben ils auraient pas dû se trouver là. Hein. Au mauvais endroit, au très mauvais moment. Hein. Ok, les deux sièges sont posés. Les armées sont toujours en train d'assiéger Orléans. On s'en bat un petit peu les steaks. Économie réalisée dans le domaine. L'aptitude moyenne à l'intendance de votre impératrice a conduit à cette aubaine. 300 gold. Ben, merci. Merci Stéphanie. Le duc Geoffroy a une liaison. Intéressant. Intéressant, Geoffroy. Oui, alors toi, tu avais fait chanter mon père, je me rappelle, pour baisser tes levées de troupes. Donc, hop, on repasse en normal. Tac. Ensuite, Bordeaux est prise. On va pousser dans le Périgord. On est à 25%. Idéalement, il faudrait lui péter la tronche. On va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire là-dessus. Une nouvelle branche cadette, un nouvel atout, agréable opinion de la part des vassaux directs, plus 10, c'est toujours ça de prix. Ma fille est héritière, Béatrice. Béatrice qui est filiforme, aïe. Aïe, bon, tant mieux que ce soit pas notre fils, on va l'appeler Fanny. Hop. Ouais, filiforme, c'est moins 1 de prouesse, pénalité de mineur de santé. Opinion pour l'attirance, moins 10, ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Moyen fan.
T'as même si les héritiers commencent à se barrer en couille, là, on est mal barré, hein. Ok, là, on va aller lui péter la tronche. On prend pas d'attrition en plus, vu qu'on arrive sur des terres neutres. Infidélité. Le duc Nicolas est infidèle. Comment ça, un pot au dos bas? C'est une blague? Alors là, on va te faire chanter direct. Comment ça, peindre un pot au dos? Il est fou? Putain, mais fou! Vous emprisonnez la duchesse Marguerite. Alors là, go, hein! Ah non, c'est même pas elle qui a les terres, bon, tant pis. Voilà, bah, ils paieront pour la récupérer. Toi, là, je t'ai fait chanter, non? Ah si, il en prend des... Aïe, aïe, aïe. Ok, on va assiéger là. Et j'ai fait chanter le mec, là. J'ai pas eu de... Non, il s'en fout de mon chantage? Ok, il a dû révéler le secret en fait. Bon. %55. Tac, on va continuer les sièges dans le sud. Là, on en a pour 43 jours. Ok, là, il est là. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. Ok, en tout cas, là, on va pouvoir aller assiéger Orléans et aller direct sur sa capitale. Donc, on va faire ça. Là, on finit le siège de Bertrand de Comminges et on va affronter son armée. Une descendance, ma prisonnière, la duchesse Marguerite. A donné une naissance à une fille, à cet enfant de la dynastie Cruchot. Germaine, c'est très bien ça. Hop. Ok. On est prévu dans la ligne de succession du duché de Gascogne. Ah, ça serait vraiment dommage qu'il meure. Mais on peut l'emprisonner. On a combien de chances d'emprisonner? 37% seulement. Ok. Bon, de toute façon, on va le gérer juste après la guerre. Hop. Là, on finit le siège. Et on va sur sa capitale. Ah bah, 100%. Ok. Parfait. On appuie les demandes. Ainsi soit-il. On disperse tout. Et on va le gérer, lui, là. Emprisonné. On utilise le hameçon, 92% de chance de réussir à l'emprisonner. C'est réussi, on révoque ses titres. C'est un criminel connu, du coup, on n'est pas, on n'a pas de malus de tyrannie. On lui enlève tout ça. Chez. Là, on a. Ah, elle est occitane, elle. Quelle horreur. C'est vrai, on a un niveau, niveau de la culture. Ah oui, c'est tout occitan. Ah, mais la culture occitane a presque disparu. Hein. Iconoclaste, toi aussi. Toi, t'exiges une conversion. Hop. Toi, ça va être cato. Et on va filer ça à des cruchots. Alors, pas un dirigeant. Adulte, oui. Homme. Si j'ai un hameçon dessus, c'est mieux. Ok, ça ne correspond à rien. Catholique, français. Tac. Alors, Foulque. Foulque Cruchot. Fils de Guillaume Cruchot. Qui ne va pas hériter de quoi que ce soit. Du coup, très bien. Je t'accorde le comté de Labourg. Et le comté d'Albret. Et ensuite, je donne le dernier. Ah, Herbert. Non, Herbert, ah, c'est un bâtard.
Tac. Tout pour la foi, il faut lui payer 300. Allez, je lui paye 300, comme ça il se convertit. Et du coup, je file le duché de Gascogne à Guillaume. Ok. On peut déclarer des guerres, on peut faire des. On peut rançonner. Hop, on rançonne. On rançonne. On rançonne. On peut emprisonner également la duchesse Stéphanie. Ah mais ça c'est la radasse qui a causé toute la guerre civile. 85% de chance on prend le risque. Au pire on la défonce. La justice. Alors toi mon petit pote. Alors vengeance déjà. Donc ça nous sert à rien mais c'est roleplay. Du coup on dépense 100 de piété. Hein. Hop, elle passe sur le bistouri. Passe au bistouri plutôt. Et surtout on va la mettre en mode qui ne sortira jamais des geôles. Voilà, parce que ça suffit les histoires. Marius 3, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Rien ne vaut le bon vieux chevalet. Effectivement, cela devrait le faire. Oh, elle est devenue folle. Tourmentée par des hallucinations, des délires et des pensées désorganisées, ce personnage lutte pour distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Du coup, chez. La vengeance est un plat qui se mange froid, comme on dit. Construction à Carcassonne terminée. Hop, on va construire ça. Ok, en termes de construction, on est bien. Le conseil. Le conseil, on est bon aussi. Allez, on poursuit. On peut encore rançonner. Rançonner Germaine. Germaine de Montreuil. La duchesse Stéphanie, jamais tu sortiras de là. Et toi, on peut te rançonner. Ok, du coup, en termes de frontières, on en est où? On a le royaume de Navarre. Le Limousin, là. C'est des... Ah, c'est pour ça, ils ont fait une guerre de religion et ils ont pris leur indépendance. Et ben parfait, on va les récupérer. Hein. Du coup, là on peut pas, ils sont pas assez à côté. Toi là, toi t'es un hérétique. Quoi? T'es un hérétique quoi? Bah si t'es un hérétique. Ah non, c'est des chrétiens quand même. Non mais ça reste, on peut même pas leur faire une guerre de religion? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, on a le comte de Briey qui a une revendication sur ça. Ça nous permettrait de pouvoir ensuite aller sur ça. Allez, on va... Une fois n'est pas coutume, on va soutenir la revendication d'un de nos vassaux. Normalement, ça devrait être plutôt court. Vu qu'on a juste à prendre cette propriété-là. On va en continuer. Par contre, ça commence à nous prendre énormément de temps pour faire le ralliement. Alors, au ravissant empereur, pourquoi il déteste mon allié? Parce qu'il veut des duchés qu'il a perdus de droit. Oui, c'est une raison valable. Et donc, il est dans une guerre. 14 000 hommes contre 18 000. Attends, quoi? Pourquoi il y a deux Lusatiens? Roi Frédéric de Lutitia. Ah ok, c'est deux pays qui se ressemblent. Et du coup, qu'est-ce qu'ils veulent là? Pour le comté de Cassel. Oh, il est à ma frontière, ça va me faire chier. Si je refuse, je perds 350 de gloire. Ouais, je m'en bats les steaks. Allez, ça dégage. Ah non, j'ai mis accepter. Ah mais quel con. Bon ben voilà, c'est parce qu'on est trop sympa.
Poste vacant au conseil, il nous faut un maréchal. Parfait, la reine Ide des Asturies. En plus, elle nous kiffe. Non, la duchesse Stéphanie, elle va rester dans les geôles, on a dit. Hop. On peut vassaliser le comte Eudes de Grison. On va faire ça. Hein. On va faire ça alors qu'il nous reste plus que 3 jours pour terminer le ralliement et marcher sur 5%. Il y a 5% de chances que ça se passe bien. Mon fils héritier, César. Ah non, ça y est, ça commence à partir en couille. César, il a un pied beau. À force de se marier entre cousins-cousines. On va l'appeler César le Boiteux. Tac. Des compliments pour le duc Massinissa. Alors, il est sans cœur, juste et honnête. On va le complimenter sur sa rationalité. Excellent. Putain, notre héritier a un pied beau, quoi. Sans déconner, normalement, on avait des tas de pourcentages de chance en moins de choper des traits, des mauvais traits. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Ok, bon, il arrive plus à trouver des secrets, le maître espion, du coup, on va changer de mission. Il va interrompre les complots, ça sera très bien. Allez hop. Est-ce qu'il a accepté la vassalisation? Oui. Mais il fait partie de jure du duché de Gérard. Du coup, hop, on va lui transférer le vassalage. Voilà. Parfait, on est à 100%. Hop, on appuie les exigences. Ainsi soit-il. Et ben très bien. Du coup, si on baisse les troupes, 8 mois pour se reformer. Oh là là. Et ouais, parce qu'on est dans une autre guerre là, une guerre relou en plus. Comment ça se passe? Bah, c'est bon, il gagne, il a pas besoin de nous. Au moins, t'as gagné un degré de parenté déjà, tu t'attaques aux cousines. Avant, c'était direct la sœur. Alors, je le jouais pas quand il a pécho sa sœur, le gars, hein, donc c'est pas vraiment ma faute. Putain, César le Boiteux, quoi. César le Boiteux. On pourrait aller chasser, on peut rechercher un médecin, on va le faire aussi d'ailleurs, ça. Et on va. Alors, il faut attendre 8 mois pour reformer les troupes. Donc, fin d'année suivante. Alors, Marla, médecin réputé. Parfait. En plus, elle a 28 ans et elle va le rester assez longtemps. On peut modifier le contrat du comte Étienne. On va le faire raquer, le comte Étienne. Hein. C'est quoi ces gens qui ont des impôts bas en 2000, en 2021? Enfin, en 1137. Ça n'a pas de sens. Putain, on gagne presque 200. On est riche. Rich, rich as fuck. On va pas tarder à s'emparer du Limousin. Peut-être même qu'on pourra déclarer la guerre à l'Auvergne à la foulée. Non, on est trop loin. Mais on peut peut-être déclarer la guerre à lui, au comté de Vendôme. Mais c'était qui, toi? Le Limousin, je peux l'attaquer. Pourquoi? Voilà, pour une guerre sainte. On est d'accord? Ok. Le bon duc. Eh ben oui, on va se faire apprécier du duc Massinissa. Donc on perd un petit peu de prestige, mais au moins on se met bien avec. Ok, les troupes, on sera bon. Au niveau des recherches, on a encore le temps, je pense, hein. Plus que 6 ans, ouais. Ok, on attend septembre. Voilà, fin août, c'est bon. Un nouvel atout d'intendance. Poste de pouvoir, opinion des conseillers plus 20. Ça, c'est nice. Ok. Et du coup, on déclare la guerre au Limousin. Dommage, on va pas
pouvoir tout lui récupérer d'un coup. Ouais, en plus on peut prendre que ça. Ok. Allez. Allez, on lève tout. Hérétiques contre les Limousins. Ouais, en fait, c'est des. Il y a plein de petits hérétiques là qui se sont rebellés contre l'empereur de France. Apparemment, ils ont gagné parce qu'ils ont tous pris leur indépendance. T'as vu, à chaque fois, apostolique. Et eux, ils sont iconoclastes. Allez, on va s'emparer de Clermont-sur-Allier. Musique épique pour une petite guerre. On va emprisonner le bourgmestre, 97% de chance, on y va. Alors quoi? Je peux le transférer à la duchesse de Bar? Pourquoi faire? Pourquoi je fais ça? Je ferais ça. Ah oui, ok. Allez, bon, on va faire ça. C'est terre de barre de jure. Ok, tout ça, ça se passe. Là, le siège avec un magnifique trébuchet pourvu d'un ingénieux système de contrepoids pouvant envoyer des rocs de 300, de 90 kg à plus de 300 mètres de distance. Incroyable, hein. Conformément à mes ordres, le bourgmestre Arnaud est assigné à résidence que j'ai posté. Et j'ai posté certains de mes gardes pour veiller à ce qu'ils respectent ma décision. Bah tout à fait. Tout à fait, on va te rançonner du coup. Hop. Donc en fait, tu te rends service au roi de France. Bah je lui prends des terres qu'il aura en moi en fait. Donc est-ce que je lui rends vraiment service? Je ne sais pas. Ce sont des terres qui normalement lui reviennent de droit. Ok. On va assiéger la capitale du Limousin. Et d'ailleurs, on va lancer l'assassinat. Non, qu'est-ce que c'est? On va lancer l'assassinat sur elle. Ah, 5%. Parce que sinon, on va avoir une trêve avec elle. Ça va être relou la trêve. Parfait, 100%. On n'a plus les exigences. On est à 100%, on attend qu'il finisse sa guerre là. Allez, finis ta guerre, l'allié, c'est bon, t'as gagné. C'est relou l'IA quand elle est à 100% et qu'elle fait rien. Ok, on est bon. Dispersez tout. Hop, clairement sur allié. Pour l'instant, on est à 10 sur 10, on va le garder. Ah, c'est juste que ça coûte plus cher d'avoir plus d'hommes d'armes. Comment ça marche? Si je veux rajouter des cavaliers en armure. Ah non, je peux juste pas. Dommage. Dommage, dommage. Du coup, bah, on va affronter le comte Lothaire. Hein. On va lui déclarer la guerre, car ça ne pourra un comté. Et on est reparti. Hop là! On lève tout, il a qu'un seul comté, ça va être rapide. Et il a essayé de nous attaquer. Bah très bien. On est connu pour notre dévouement à notre foi. On est un parangon de vertu. Non, on est un dévot serviteur, pardon. C'est parti pour l'Auvergne. Dites-moi si le son de la musique est trop fort. Moi j'ai l'impression que c'est assez fort. Hop, il en fait la revendication sur le comté de Uzes et on annule le titre de notre vassal. Et du coup, sans être considéré comme un tyran. Ah, 63% de chance de réussir seulement. Ok, on va finir la guerre et après on va voir. Du coup.
79%. Ah, il y a une deuxième baronnie, très bien. Il y a deux baronnies alors qu'il n'y a même pas en hérité du comté de Marseille. On va pouvoir donner Clermont-sur-Allier à un Cruchot. Hamelin-Cruchot n'héritera de rien. Hein. Parfait. Hop, on lui donne le comté de Clermont-sur-Allier. Ok, le duc Godefroy qui nous kiffe de plus en plus. C'est très bien ça aussi. Accusation de sorcellerie, habit taché de sang, plume de corbeau, concoction aux odeurs étranges. Ce sont les preuves qui m'ont été présentées par un groupe de villageois de Albi pour démontrer que Béatrix, c'est qui toi, a pratiqué la sorcellerie dans sa cabane à la périphérie de leur village. Les villageois affirment que c'est la cause de la mauvaise récolte et appellent à son exécution. 300 points de vie d'intendance, on obtient paysan contrarié. Elle doit brûler pour ses crimes contre Dieu, on prend 100 de prestige, mais aussi 12 de stress. Ou alors une sorcière vous dites, non, on va prendre les 300 points d'expérience. Le comté de Albi, on en est où là? Comté de Albi, ah les gens ne peuvent pas nous blairer. Bah dommage pour eux. Hop. On passe à 100. On appuie les exigences. On disperse. Mince, je voulais pas disperser les troupes. Je voulais les envoyer ici. Et ben pas très grave, du coup ben, on va lui révoquer son titre et s'il veut pas on lui pète la tête. Il se révélera avec d'autres vassaux mécontents. Est-ce qu'on a beaucoup de vassaux mécontents? Franchement ça va. Franchement là les vassaux s'ils veulent se rebeller maintenant ils seront pas nombreux donc qui se rebellent et au moins on les fume hein, ces fumiers. Oui, on a quasiment pas de faction. À la limite, ok, il y a le duc de Séville et le comte Géraud de Tindouf de Perpète-les-Oies qui seraient pas contents. Et du coup, ça pourrait nous permettre de leur casser la bouche. Donc, on va faire ça. On va lui révoquer son titre. Hop. On va voir s'il accepte. Ah, il faut qu'on file Aurillac aussi. On verra ça juste après. Il accepte. Parfait. Il se soumet. Donc on va filer Aurillac. À qui file-t-on Aurillac? À notre oncle Félix? On peut filer Aurillac à Félix, hein? Pourquoi pas? Attends, c'est lui qui a assassiné notre frère. Enfin, notre père plutôt. Moins 19. Oh là là, c'est vrai, on va trier par opinion vers vous, ceux qui me kiffent le plus là, il n'y a pas de raison. Hein. Ben voilà, ça me semble très bien ça. Hop, félicitations, le comté de Auvergne. Alors que je cède Marseille à un no-name vieux. 73 ans, c'est très bien ça. Et je repasse à 10 sur 10. Et du coup, j'ai sécurisé tout le Languedoc pour moi et toute la Provence pour moi. Bénef. Du coup, là, on a pas mal de bâtiments à faire. Hop. Béziers, Carcassonne, Albi, Foix. Fort-Calquier, Toulon, Nice. Ok. On peut renseigner Lucky Lucky. Très bien. Faible contrôle en use. On va envoyer notre maréchal, la reine des Asturies. Un secret dévoilé. Mon vassal, le duc Geoffroy. Et du coup, on emprisonne Guillaumette. Mais pourquoi on n'emprisonne pas le duc? Je comprends pas là. Rançonner, non.
toi tu vas raquer. Hein. Pour 100. Et toi je te rançonne pour 100. Condi va rester en zonzon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le bidaïsme. Ah oui, le dieu serpent bidouf. Le fameux dieu serpent bidouf. Allez, on se rançonne pour 100. Au bout de 20 ans de toll, bah, ils ont décidé à raquer tes petits potes là. Du coup, prochaine étape, Vendôme. Ah non, on peut même pas faire une guerre sainte, dommage. Ok. Ok, ok. Ah, une petite révolte là. Qu'est-ce qui se passe? Se défend contre le duc Guy de Badajoz dans sa guerre de libération. Battez-vous entre vous, ça me fait des vacances. Bon, c'est quand la croisade, là? Tu as pris l'Aquitaine? Non, pas en entier. Je commençais un petit peu à grignoter vite fait, quoi. Regarde. L'Aquitaine, c'est ça. Et j'ai récupéré ce petit bout et ce bout. Donc, avant de pouvoir revendiquer l'Aquitaine, à mon avis, voilà, il me faut encore 8. 8 comtés. Pour dire que ça risque de prendre un certain temps. Dès que j'ai terminé la trêve avec elle, je l'attaque. Et Berry. Est-ce que je peux redéclarer la guerre à lui? Non, j'ai une trêve. Ensuite, je pourrais prendre Algésiras. Ça me coûterait un petit peu de renommée. Mais du coup, je pense que là, il est en paix avant qu'il se fasse bouffer. Parce qu'il s'est fait bouffer, hein. L'air de rien. Avant qu'il se fasse bouffer, on va récupérer Algésiras. Après, ça ferait un vassal vraiment pas content. Il est sur le point de mourir, peu importe. Qu'est-ce que quoi? Ah oui, je peux l'attaquer pour là. Non, mais ça, je m'en fous. Je vais, du coup, utiliser ma posture de chef de dynastie et je vais revendiquer son titre. Ça me coûte 150 de renommée et ensuite je lui déclare la guerre pour m'emparer de tout son royaume. Voilà. Ça s'en jaille, encore une fois. 18 000 hommes. On verra. On verra si t'arrives à t'en sortir avec 18 000 hommes, mon petit pote. Allez, on va lever là. Et on va mettre nos trébuchets au travail. Pendant qu'on se fait un petit banquet tranquille, le festin. Tout le monde assis près de moi, puis on nous dit envers nous. Bah, parfait, parfait. Alors, qui participe au festin d'ailleurs? Voilà. Le duc Centule. Ok, c'est pas trop des nobles nobles, mais bon. Ah, c'est la duchesse Agnès. Ah, mais c'est un vassal. On retourne à notre guerre. Impatience embarrassante. Le duc Centule a annoncé un léger retard dans le service de la nourriture. Soit il se ridiculise, invité courtois, soit on perd 20 de stress. On n'est pas stressé, donc on va prendre les stats. Les stats, les stats, les stats. Quel régal ce fut. Au revoir, mon petit vassal. En vrai, le règne de Marius III me fait penser au règne de Louis XIV. Hein. Parce que Louis XIV, alors qu'il était encore en régence, il y a eu une énorme révolte des ducs qui a finalement été matée. Et du coup, c'est pour ça qu'il a fait un pouvoir ultra centralisé et absolu pour que plus jamais ça n'arrive. Quoi. Genre, ça l'a traumatisé quand il était enfant. Et du coup, l'ami Marius, il en fait de même. Quoi. Un nouvel atout. D'intendance, grande levée, contribution à levée du vassal plus 20%, c'est assez énervé comme stat ça.
On sépare Lust en deux. Par ici et par là. Et c'est parti pour les sièges. De toute façon, là, ces troupes à lui, elles peuvent arriver que de là, donc on peut pas les louper. Ils sont beaux, ces trébuchets. Ok, 4000 hommes qui arrivent par là. Okay. Ah oui, les sièges sont bien plus rapides, en tout cas par ici. Une nouvelle branche cadette. On peut faire un banquier. Allez, on en fait un, après on va un petit peu se calmer sur les banquiers. Hein. Un joyeux rassemblement, bienvenue. Ok, il a quand même 15 000 hommes. On finit les sièges. Il a 15 000 hommes, mais est-ce qu'il a des trébuchets? C'est la question. Une catastrophe se produit. Ah, il est temps d'ouvrir ma réserve secrète. Est-ce qu'il n'y a plus de vin? Vous apprenez le secret de déviance d'Isabelle Cruchot, notre mère. Ah, notre mère la déviante. Ok, ici c'est terminé. On commence à s'approcher, on va les prendre en tenaille. Ok, mince. Tac, là on passe par là et on va les choper. On va les choper en tenaille. Hop. Le départ de mes invités à la prochaine. Donc toi tu vas aller rejoindre la filoche et ensuite tu vas retourner assiéger la baronnie. Juste là. Pendant que la bataille se passe, hein, mais on aurait pensé avoir plus d'avantages contre eux quand même. Allez, essaye de fuir. Non, on va le choper. On va le pourchasser, on va le choper. Une descendance pour la dynastie, ok. Félix, c'est bien ça, Félix. Hop, on rançonne. Là, on va assiéger par là. Et là, les 4000, on n'est pas prêt de les choper, j'ai l'impression. Allez, c'est bon, là, on va les choper. On est à 36%. 86% de chance qu'il nous apprécie plus. Je termine la lecture de la dernière lettre de mon vassal et souris. Il semble être cette plaie de sympathie pour moi. Et ben bénef. Hein. Hop, parfait. On va pouvoir influencer quelqu'un d'autre maintenant. Vassaux. Hop, le duc du Luxembourg. Ouais, il faut vraiment... faut réseauter quoi, quand on est empereur. Hein. Allez, on va poursuivre le siège. Là, la bataille est gagnée. On les a écrasés. Je pense qu'on va plutôt aller faire le siège de... Comment ? Maquisin. Maquisin. Maquisine. Pour aller le plus rapidement possible sur la capitale. Quoi, pourquoi, comment ? Il n'y a jamais un moment calme. Mon fils et héritier, César Lebois, te pose plein de questions. Je fais de mon mieux pour encourager sa curiosité, mais parfois, je suis juste épuisé par le flot incessant de réflexions et d'interrogations. Ok, d'ailleurs, c'est vrai qu'on va le mettre en érudition. Et on va d'ailleurs l'éduquer. Hop, on va éduquer César le boiteux. Au niveau des victoires... 5000 pertes pour lui, 4000 pertes pour lui, ouais, c'est... ça sent bon, quoi. Les compliments, on va... Alors, le duc Puyranger est content, cynique ou fourbe. Pff, sa rationalité, ouais, on peut le... On est hérité de Marseille encore une fois, excellent. Tant qu'on hérite de Marseille régulièrement, ça veut dire que c'est une affaire qui tourne et qu'on a raison de temporiser en te filant ça à des vieux. 71, hop. Pourquoi je peux pas t'accorder des titres? Ah, tu dois être un prêtre, un truc comme ça. Jocelyn. Berlin-Marseille. Le duc Jean? On va pas le faire sortir de prison, le duc Jean. C'est un fumier.
Ah non, c'est même pas notre vassal. Allez, on le rançonne direct, on n'a pas de problème. Du coup, Al-Jazeera, on en est où? Ok, il essaye de revenir un petit peu. Dès qu'on finit là, on va lui cramer la gueule. Hop, on va prendre les 5000. On n'a pas besoin de toute l'armée, hein. Ah, et puis, le sournois. Là, on va poursuivre sur la capitale. Parfait, là, on les chope. Oh là là, la bataille est pas si gagnée que ça, hein. Après, ouais, ils ont énormément d'hommes d'armes aussi. Donc, comment ils font pour en avoir autant? 4, 5, 6, 7, ouais, ils en ont 7 et nous pour cette bataille, on n'avait que 2 quoi. Mais genre, même dans toutes nos armes, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Ouais, mais on a un empire quand même. Voilà, ils ont un tout petit pays. Bon, ça va. Ma foi. En tout cas, on a quand même essuyé quelques pertes, je pense. On a perdu 3000 hommes, ils en ont perdu 5000, bon, c'est déjà ça. Là, on va poursuivre les sièges, je pense qu'on va passer à 100 maintenant là. Ok, on passe à 100%. Canalité domestique. Une personne à mon service m'a volé. L'homme recroquevillé devant moi évoque ses enfants affamés et implore ma miséricorde au nom de Saint-Joseph. Je vous en prie, monseigneur, je ferai tout ce que vous me demanderez. Alors, ok, ah oui, sans le. Ah oui, l'on perd sans de piété, on le tue. On prend quelques pièces et de la redoutabilité. D'ailleurs, ouais, la redoutabilité, il faut qu'on remonte. Emprisonnez-le. Il va en zonzon. Ou alors, on obtient un hameçon fort contre Thibaut et il nous kiffe. On s'en fout, hein. On va prendre la redoutabilité, hein. Tac. Et on va faire un petit tour dans nos geôles, d'ailleurs, pour exécuter des prisonniers hérétiques. Hop. 88. On va faire via le temps en prison, ouais. 31 ans, voilà, comme ça, ceux qui ont 22 ans, ben on met fin un petit peu à leur supplice. On rançonne le bourgmestre, on rançonne Gisèle. Ok, le pognon s'est remis bien, c'est une affaire qui tourne. On passe à 100%, on appuie les demandes, on disperse les troupes, et on a un nouveau royaume. Très très bien ça. Très très bien. Du coup, c'est le royaume d'Algésiras et on va le filer à quelqu'un comme ça. On n'a pas de problème. Donc lui, il nous déteste forcément, mais c'est le seul plus chaud. Est-ce qu'on est... Je suis rival avec lui ou pas? Non, je suis juste vassal. Si je lui donne... Voilà, tu vois, je t'ai éclaté, mais je te rends ton royaume. Moins 88, ouais, il est pas trop convaincu. Il est pas convaincu. Mais du coup. Non, mais attends, c'est parce que il y a plein de vassaux qui sont pas venus sous toi. Mais alors là, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. On va arranger tout ça, regarde. Je te transfère le Kurdistan. Je te transfère le Diyarbakır. Diyarbakır. J'ai pas. Je te transfère. Non, ça c'est chez moi. Ah ben voilà, déjà c'est pas mal, non? Voilà, t'as retrouvé les frontières de ton royaume. Voilà, t'es à plus 2. Sois content. Sois content, sois content. Alors, toi, tu n'es pas un vassal puissant, chancelier. Mais en même temps, les vassaux puissants en diplomatie, ce sont des brels. Et en intrigue aussi. Ok, ça nous arrange pas ça. Ça nous arrange pas. Bon, en tout cas, on s'est mis bien, on a récupéré ça. Là, on est en alliance avec l'Empire byzantin, mais Inch, au prochain règne, on les défonce. Hein. Où en sont la populace sur les guerres offensives? Moins 19, ouais, c'est chaud quand même. On est quand même salement en positif, du coup, je me dis pour l'instant, ça va. Après. Après, je pense qu'on va se calmer un petit peu pour l'instant.
Des actes malveillants. La cruauté de Gervais m'a toujours agacé, mais récemment cela m'a énervé plus que jamais. Je me vengeais de ce comportement, mais quelle forme mes représailles devaient-elles prendre? Répandre des rumeurs scandaleuses qui nous tourmenteront longtemps. C'est chaud. 7% de chance de me faire gauler d'ailleurs. Et 43% de chance que ça échoue. On peut écrire un poème ou alors on lui hurle au visage. On va écrire un poème, on a moins de chances de se faire gauler. Il est infirme, bordel. Ok, si on n'a pas réussi, on s'en fout. C'est vrai ça, est-ce qu'on a des rivaux? Toi, t'es un rival. On va t'assassiner. Non, on peut pas t'assassiner. Putain, c'est fâcheux. Ok, bon, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est vrai qu'il y a deux Italies. Il y a l'Empire d'Italie et le Royaume d'Italie. Toujours plus. Non, on pourrait faire excommunier l'Empereur d'Italie. Mais on va garder notre piété pour la croisade. C'est moi où il y a du laisser-aller dans la conversion culturelle et religieuse. Clairement, il y a clairement du laisser-aller parce que là, pour l'instant, mon. En fait, j'ai tellement peur des révoltes maintenant que là, mon intendant, je préfère le faire collecter des impôts pour ramasser plus de thunes. Et lui, je préfère qu'il améliore les relations religieuses, quoi. Donc, pour l'instant, vraiment, la conversion. Après, avant, j'en avais vraiment besoin parce que je voulais être chef de la culture française, ce que je suis. Donc, j'ai plus trop besoin de le faire pour l'instant. Donc, ça va, quoi. Donc, effectivement, il y a du laisser-aller, mais c'est voulu. Un festin, non, on va se calmer sur les festins. Le duc Frédéric a changé de culture. Fumier. Un festin à Tanger, c'est mort. Pourquoi Tanger? Non, duché de Riff. Si, c'est Tanger, c'est ça. Alors, c'est qui lui? Ah, pour indiquer ça. Ah, c'est vrai que maintenant qu'on a des frontières là, ah mais on pourrait faire une guerre sainte pour récupérer toute l'Égypte. On va récupérer toute l'Égypte, hein. Pourquoi s'en priver de récupérer toute l'Égypte? Au fond. Ah non! On n'est pas encore parangon de vertu. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut partir faire un pèlerinage? Pas avant 4 ans. Bon, on va attendre. Et après, on prendra peut-être le Sinaï avant? Ouais. Oui, bonne idée. Bonne idée. Après là, je voulais pas trop faire une guerre pour juste un duché. Je voulais attendre un peu, mais ouais, tant qu'à faire, autant s'emparer du Sinaï pour faire une petite liaison ici. Allez hop, déclarer la guerre. Guerre sainte pour un duché. Oh, ça nous coûte quand même 162. Non, parce que là, la croisade, elle peut arriver à tout moment. Ah non, la ferveur. Oh là là, la ferveur a diminué. Non, on va pas claquer notre piété pour l'instant. La piété, on va la garder vu que ça s'accumule très peu use. Faire ce qui rapporte de la thune et carca. On est. Ok. D'ailleurs, à use, on peut pas. Il n'y a pas des slots disponibles. Mais si, on va pouvoir construire une cité. Hop. Est-ce qu'on a des slots disponibles? Nulle part. On a tout construit de toute façon. Ouais. Combien de temps avec la de paix avec la France? 5 mois. Dans 5 mois, on peut attaquer la France. On verra si on a une bonne raison de le faire. Parler de ça. Attends quoi? Attends quoi? Pourquoi on a perdu le duché de Gascogne? C'est quoi ces histoires?
Ouais, on va lui péter la tronche pour récupérer la Gascogne. Ça va 5 minutes ces histoires-là. C'était à nous la Gascogne. Attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Duché de l'Armagnac. Duché de Gascogne. Historique du titre. Bah ouais. Ah, il s'est fait défoncer. Mais je comprends pas pourquoi c'est parti de mon territoire en fait. Ok, bon bah voilà, la décision est prise, on va péter la tronche à l'empereur de France. Une alliance au charmant empereur Marius, oui c'est moi. Malgré l'absence de lien du sang, non, une alliance, t'as 636 hommes, qu'est-ce que je vais faire de toi? Je ne sais pas. Allez, plus que quelques jours, on leur pète la tronche. Ok. Ah, il est fou le roi, l'empereur de France. Trop drôle. Enfin, trop drôle. Bon, ça paraît de la Gascogne, hein. Hop, on déclare la guerre, on rassemble tout par là. C'est un peu relou par ici, il n'y a qu'un seul endroit d'accessible, c'est vraiment pas pratique. Une erreur qui ne sera pas pardonnée, effectivement, un affront même. Un affront qui sera lavé dans le sang. Influencer, devenir plus personnel. Ah, il est déjà puissant. Alors, dans un restaurant, ce n'est pas mon rôle, on va influencer quelqu'un d'autre à partir de maintenant. Ben, on va influencer Papy là. Papy Algésiras. Voilà, comme ça il nous kiffe. Ça, il est remonté à plus 19. Ouais, on commence à avoir un malus de moins 20 avec nos vassaux sur les guerres déclarées. Ah non, c'est juste parce que je l'avais déclaré la guerre lui. Ok. Tranquille. Ma personne est sacrée. Clairement. Alors. Bientôt pardonné. Ah, ça c'est le truc qui nous arrange pas, mais bon, tant pis. Les alliés dans les guerres, on n'en a pas besoin. Quoique, en vrai. Le roi de Lusatia. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, il est défiguré. Ah, moche. Moche. Tu es moche. Pourquoi notre femme n'est pas enceinte? Comment ça se fait qu'on a que deux gosses, quoi? Dont un boiteux. Ok, bon, on est passé sous la barre des 52 jours de siège, donc ça c'est cool. Le roi loup, sans aucun doute. On va mettre l'impératrice pour s'occuper de notre fille. Un complot à la cour, nous devons arrêter le coupable. Quelqu'un veut assassiner Godefroy. Ça nous importe peu. Ok, là on est good. On divise ça en deux. Vous connaissez la musique, ça fait 36 fois qu'on essaye de prendre la Gascogne. Alloré. Ouais, c'est là. Voilà, pendant qu'il est toujours en train d'essayer de rouler sur Orléans. Nouvelle acquisition. Au cours de la gestion quotidienne de mon pays, j'ai été confronté à plusieurs opportunités. Alors, j'ai entendu parler d'un manuscrit oublié redécouvert. On aurait plus de d'intendance et plus un d'érudition. Ou alors on obtient un hameçon faible contre le duc Geoffroy. Ça nous sert à rien. Ou alors obtenir ces accords commerciaux remplir mon trésor, on prend 500 cash.
prendre le cash. Hein. Ouais, j'aurais peut-être dû prendre le stock, je sais pas. Combien de jours là? 4 jours, ça allait vite. Ensuite, on va aller à Bordeaux. Hop. Ils sont toujours ici, ok. Est-ce qu'ils ont des alliés dans cette guerre? Non. Hop, on va à Marsan. Ok, ils commencent à descendre. À partir du moment où on tient Bordeaux, de toute façon, ils vont devoir traverser le fleuve. Où est-ce qu'on va? Allez, on va à Armagnac. Allez, on fait le siège d'Albret. Ah! À Montlore. On a terminé. Ouais, mon lourd, c'est un petit peu en retard. Hein. Carcassonne, on a rattrapé. Et je pense que du coup, on arrive quasiment. Voilà, d'ici 15 jours, on fait les hommes d'armes. Et je pense que le suivant, ça sera. Les murs d'enceinte du château pour améliorer les bâtiments militaires. Sinon, on a quoi d'autre? On a. Ouais, les arbres et les triers. Bon, ça, on peut s'en passer pour l'instant. Hein. Ouais, le développement, c'est pas mal aussi. Les comtés atteignent maintenant la pénalité de développement existant maximale à 55 de développement. Ouais, on verra. Ok. Hop. Parfait, tu vas assiéger Bigorre. Alors qu'on n'a toujours pas de nouvelles des Français qui arrivent par là. Ok, on va pouvoir plutôt aller les défoncer. L'ascension des Almohades. Il semble qu'une croyance marginale s'installe dans le comté de Tinmalal. C'est où ça? C'est chez moi? Oui, ça a l'air chez moi, ouais. Ce mouvement religieux dit des Almohades défend la nécessité de se débarrasser le Maghreb des hérétiques et des dévoyés. Ah bon? Les magistrats de la région sont inquiets. Mais un groupe religieux marginal dirigé par un théologien tombé en disgrâce peut-il vraiment être un souci? En quoi cela me concerne? Si l'on ne parvient pas à convertir assez rapidement Timal à la foi almohade, les almohades vont se répandre, soyez sur vos gardes. Il faut les éradiquer avant qu'ils ne s'installent. Commencez la tâche convertir le comté en Timal. Allez, bon, on va faire ça. Hein. De toute façon, c'est même pas catholique, j'ai l'impression, par là. Comment on voit? Ah si! Ben voilà, de toute façon, on convertit. Pour le plus grand plaisir de Dr. Dame, on convertit. Hop, parfait, on augmente ses impôts. On l'a raté. On poursuit le siège. Et là, on le pécho. Homme d'armes! Une autre peut être choisie. Parfait. Du coup, sans plus attendre, on va créer un nouvel régiment d'hommes d'armes. Et on va continuer avec les cavaliers en armure. Ou alors, on reprend des trébuchets pour pouvoir assiéger plus rapidement. Non, c'est bon. Deux trébuchets, ça suffit, je pense. Ouais, cavaliers en armure. Tac. Où ils sont? Ils sont là. On va augmenter leur taille. Ah oui, mais là, ça va nous coûter un sacré paquet de blé. Parce qu'on peut augmenter la taille à 12. Allez, on y va à fond. De toute façon, après cette guerre, on va se calmer un petit peu sur les guerres. Parce que là, sinon, elles vont commencer à nous coûter bien trop cher. Ok. Bon, maintenant, on a une armée assez impressionnante, je pense. La bataille de Izurum, qui va être un massacre pour leurs troupes.
Votre... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas... Non, on veut pas absolument pas l'urbanisation. On veut mur d'enceinte du château, qui sera disponible dans 10 ans. Parfait. Faction dangereuse. Les pécores de Carcassonne ne sont pas contents. Hmm. 96. Allez, on va à Bigorre. Voir si on a le temps d'assiéger avant la fin de la guerre. Au ravissant empereur Marius, je vous invite à honorer notre alliance et à me rejoindre dans la guerre de libération. La guerre de libération. Ah. C'est intéressant ça, la guerre de libération. Ça veut dire que ces vassaux veulent devenir indépendants. Se rendre. L'autorité de la couronne de l'Empire byzantin est réduite d'un niveau. Ah non, ils ne deviennent même pas indépendants, c'est juste pour réduire la... Bon, on va appuyer les exigences. Tac, on va gagner notre guerre. On va disperser les troupes. On récupère la Gascogne. On va accepter l'appel à la guerre, mais on ne va pas y participer. Et on va rançonner un petit peu du monde. Hop. Alors qu'on peut emprisonner le comte Ancel de Amaya. Allez, on va l'emprisonner. Hein. Et on va usurper le duché de Gascogne. Hop, ça c'est cadeau. On peut vassaliser le duc Aldebert de Zab. Bah allons-y. Ça nous fait progresser au Maghreb, c'est très très bien. Et on va donner le duché de Gascogne au comte Guillaume de Labour, et on espère qu'il ne va pas le reperdre une deuxième fois. Ah, on a récupéré aussi le comté d'Agenais. On peut le donner à un Cruchot. Opinion envers vous, dit Gars Cruchot. Hop, tac, on va lui donner le comté d'Agenais. Et à Guillaume, on lui rend le duché de Gascogne. Ne le perd pas cette fois. On peut attaquer le Limousin aussi. Mais on a toujours une trêve. Ok. Ok, ok. Bon, là, on va se calmer un petit peu. On va regarder un petit peu la guerre dans l'Empire byzantin. C'est la bonne révolte, mais pas autant que ce qu'on a eu quand même. Ok, 19 000 hommes pour les loyalistes et 7 000 hommes pour les rebelles. Bon, ça, il va même pas avoir besoin de moi. Dommage, j'aurais bien aimé qu'il se fasse pourrir. Faction dangereuse, quoi. Non, mais je comprends pas qu'ils osent dire faction dangereuse pour 3 pécores. On va rançonner. T'es qui, toi? Allez, on sonne. Tac. Vous pouvez vassaliser la duchesse Adelinde de Kerouan. Bah oui. Ah bah oui, mais c'est très appréciable là, ce qui se passe. Progresser sans devoir faire la guerre, mais je prends. Hop, allez, on lui transfère, sans problème. Ils veulent pas se vassaliser les autres monsieur là? C'est quoi ça? La foi Bori. En vénérant la force spirituelle qui réside dans toutes les choses physiques, les prêtresses de cette foi servent d'intermédiaire entre l'humanité et les esprits du monde. Il est passé où le Berry? Ah. Je vais regarder. Je veux dire que le Berry aurait disparu. Alors c'est par où déjà le Berry? C'est par là, hein. Ah ouais, c'est là. Mais il n'a pas disparu, c'est juste qu'il n'était pas indépendant. Ou peut-être que si, ou alors il se fait reconquérir par l'empereur de France. Hein. En même temps, il est tout seul, donc forcément, il se fait péter la tronche. Hein. Ok, du coup, par ici, il n'y a pas moyen de les vassaliser. Toi, là. Moins 536, c'est beaucoup, moins 536. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu refuses à ce point? Son pays est à distance du vôtre. Comment ça? Mon talentueux vassal, le roi Lou a fait ses preuves, en particulier pour les affaires académiques.
Il y a certains projets que j'aimerais entreprendre dans le comté de Mossoul, monseigneur. Avec votre bénédiction, bien sûr, me dit-il. Allez-y, loup. Il obtient amélioration encouragée. C'est bien. Allez, bah oui, bah. Plus il y a de développement, mieux c'est. Et là, il veut tout. Ah voilà, moins 36. Vous êtes un autre groupe culturel. Ah oui. De toute façon, on a bien progressé. Du coup, Docteur Dame, pour le Berry, tu pensais que c'était indépendant avant? Je me rappelle plus si c'était indépendant ou pas. Je pense que j'avais rien. Ah si, j'avais. Non, c'était pas le B. Ouais, t'as raison. T'as raison. Je pense que c'était bien indépendant. Ouais, ils ont dû se faire éclater. Ils ont dû se faire éclater. Et il faut qu'on essaie de choper le Limousin avant que l'empereur de France ne se décide à le récupérer. Exercice de médiation. Lorsque j'entends une nouvelle fois leur cri, je dois réprimer mon envie de m'en aller. Alors, on va essayer de leur faire entendre raison. Du coup, on prend 150 de prestige et ils se kiffent. Ou alors, on prend parti. Ces deux rois. On peut pas prendre parti. Après, les deux nous kiffent à 1. Ah, lui nous kiffe à plus 100. Et même plus que plus 100. Donc, on peut prendre le parti du roi Alphonse. Voilà. Parfait. Ma fille. Voilà, parfaite. Parfaite. Je sais pas. Tac. Mais là, j'aimerais bien avoir un autre héritier mâle, Stéphanie, donc. Moi, ils attendent quoi pour se foutre sur la gueule, les? À l'abject empereur Marius. Ah ok, nommé loi oppressive, blablabla. Il me déclare la guerre. Qu'est-ce qu'il est arrivé aux troupes ennemies là? On a bien progressé par ici, on pourrait aussi se chauffer à progresser par là. En tout cas, pour l'instant, on a 2000 rebelles par ici. Franchement, lever les troupes pour ça me rend triste. Hein. On va les écraser, ça va pas être du. Ça va pas être beau. Hein. Ça va pas être beau à voir ce qui va se passer. Ah bah oui, hein, vaut mieux que tu te barres. Ah non, mais abuse pas quand même. Combien de jours ça dure? Je pense que ça a duré beaucoup trop de jours par rapport à ce que ça devrait. Ok, un jour, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a fallu 7 jours pour défoncer ces paysans, quoi. Ça va être le temps de les attraper. Allez, on démobilise l'armée. 11 mois avant de la relever, j'espère qu'on n'aura pas de problème. On rançonne. Et la duchesse Ramilde, qui n'a pas de terre, on peut la rançonner. Non, elle coûte 50, donc on va pas la rançonner. Hop, faible contrôle comptable en Carcassonne, pas de problème, on envoie notre maréchal. Rentrer dans le rang, les vassaux sont moins susceptibles de rejoindre des factions, parfait. Ok, on a bien stabilisé le royaume, enfin l'empire. Qui est là au niveau de la guerre, ça se passe bien. On a hérité de la baronnie de Marseille. On va la refiler. Bientôt, on pourra avoir des propriétés en plus, donc on sera plus obligé de faire ce vieux move. Sans tulle. Ok, ils se sont fait choper. Bon, là, faut aller assiéger ces capitales, hein, sinon ça va durer 100 ans. C'est quoi ton délire avec Marseille? Et ben, en fait, du coup, c'est une baronnie
dans mon duché de prédilection. Du coup, à terme, j'aimerais bien l'avoir. Donc, pour l'instant, j'arrête pas de l'affiler à des vieux qui sont pas mariés, qui n'ont pas d'enfants, et du coup, que dès qu'ils meurent 2 ans après, sans faire de gosse, je récupère Marseille et je le refile. Tout ça jusqu'à tempo, le fait que j'ai la tech qui me permet d'avoir un domaine en plus. Ok, l'argent rentre, c'est cool. On en est où de la tech d'ailleurs? Combien d'années? 8 ans, ah ouais, c'est long, 8 ans. Ma fille, encore une fille, c'est pas possible. Elvis Cruchot, Elvis qui est hémophile. Oui, bon, on préfère que ce soit une fille plutôt que notre héritier en tout cas. Du coup, on va l'appeler Germaine. La comtesse Ramil, ok. Pneumonie, ma pauvre fille, aujourd'hui reçue de graves nouvelles. Ma fille Josepha a une pneumonie. Oui, ben, il va falloir gérer avec prudence. Hein. Symptômes de la maladie réduits, parfait. La pneumonie, ouh, c'est énervé, pneumonie. Hein. Pénalité critique de santé, ah ouais, la vache. En proie de la toux étourdie par la fièvre, ce personnage souffre d'une infection des poumons. Ah oui, ça met mal, hein. La pneumonie, ça fait pas du bien. L'ascension des Almohades. Attends, quoi? Le mouvement religieux des Almohades a quitté son quartier général avec l'intention de reprendre le Maghreb aux infidèles par la force si nécessaire. Ah bon. Leur chef, Mahdi Amgar Ibn Tumert, s'est autrefois vu refuser l'entrée dans de nombreux lieux d'érudition parce que son insistance sur les pratiques dogmatiques était pénible. Cependant, il a maintenant trouvé un solide noyau de disciples et a déclaré être le Mahdi. Comme si ce modeste imam représentait une menace, ou il a de très bons arguments en fait et on devient Almohade. Oui, et ben non. Du coup, il nous déclare la guerre. Mais attends, mais ils sont combien les mecs? Mais ils ont pas compris que... On peut organiser un banquet. Non, on a dit qu'on allait se calmer un peu sur les banquets. Et ben on va aller... Genre là, je vois mal ce qui pourrait... En fait, voilà, là c'est pénible parce qu'on va perdre de l'argent en ayant levé des troupes. Voilà, c'est le seul truc qui est pénible. On attend la fin du règlement. Et ensuite, on va assiéger son territoire, il n'y en a qu'un. Alors, il y a 2 ans, vous avez promis de m'aider dans la guerre de libération. Pourtant, jusqu'à présent, vous n'avez rien fait dans ce sens. Oups. Quel est l'intérêt de notre alliance si vous ne faites jamais rien pour m'aider? J'envoie immédiatement mes troupes pour vous assister. Ce coffre rempli d'or devrait compenser mon absence. Je m'excuse, je n'aurais pas dû affirmer que j'aiderais. Je dépense 150 de piété et je brise l'alliance avec le Basilius. On n'a plus besoin de lui, hein, de toute façon. Donc on brise l'alliance. Ok, non, on verra après. Salut Jeanne. Salut Mastata. Tu n'es pas obligé de lever toutes les troupes, tu peux juste lever les troupes locales et tu gagneras de l'argent et du temps. Ouais, alors j'avais vu ça une fois. Bah après on fera le test, mais genre du coup j'avais fait hop, lever l'armée locale et en fait ça m'avait quand même levé toutes mes troupes. Donc à réessayer quoi, mais un petit conseil. Je déambule entre les étals du marché de Arles, une lourde bourse accrochée à ma ceinture. Que faire de cet argent? Alors que j'admire l'imagerie catholique des œuvres d'un sculpteur, mon ami le comte s'apparaît soudain. Besoin d'un conseil, mon ami? Jetez un coup d'œil à l'atelier du maçon là-bas. Ses produits sont peut-être simples, mais leur potentiel est grand. Investir dans un atelier de sculpteur. Impôt des propriétés plus 10%, ça c'est cool. Investir dans l'atelier du maçon. Temps de construction de bâtiment moins 15 pendant 30 ans. 15% et coût. Et impôt des propriétés plus 20%, ah oui. Bah, surtout que bientôt on va terminer les bâtiments militaires. Donc on va faire ça sûrement. Hop, on investit. Pneumonie, ok, Josepha va mieux, parfait. Voilà, 80%. Ensuite, on va passer à 100.
tac, on les écrase. Ainsi soit-il. Attends, mais quoi? Mais ils sont indépendants, ces mecs-là? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Si j'espère que la mairie, il va falloir attendre un an. Et du coup, hop, déclarer la guerre. Ah, ils étaient indépendants. Bah, j'ai dû les louper. Très bien. On peut rançonner le comte Mathias, mais il a pas assez d'argent. Et du coup, j'attends de terminer la guerre là. Et après, on fera les tests de lever les troupes locales et tout ça. Alors. Quand tu lèves les troupes, il y a une barre qui se remplit dans l'encadré gauche. Si tu cliques sur la petite crosse, ça arrête l'assemblement des troupes avant qu'elles arrivent toutes. Ah, ok. Ouais, c'est pas faux. Bah écoute, j'essaierai bien la prochaine fois. Bon, quand est-ce qu'il finit sa guerre, lui? Vente d'informations, le comte Payan a affirmé avoir découvert qu'un de mes proches parents a une relation extra-conjugale. Je m'en bats les steaks. Tac. Oh là là, il s'en bat les steaks de son approvisionnement. Ok, la guerre est terminée. Je peux partir en pèlerinage, on va le faire immédiatement. Jusqu'à Jérusalem. On va rançonner. Non, ils n'ont pas assez d'argent. Et du coup, il est temps de partir. L'innocence d'Adam. Oh là là, encore des mecs à poil. 300 points de mode de vie. Ah, c'est balèze ça. Ah ouais, on va le confronter dans un débat théologique. 100 points. Ok, on a raté le débat théologique avec le mec à poil. Les larmes de Saint-Nicolas. Même lorsqu'ils sont en pèlerinage, les prêtres. Ah oui, non, on va pas écouter la messe sous la pluie, hein, c'est mort. 20% de chance d'être malade, y a pas moyen. Donc on perd un petit peu de piété. Triste, mais. Le royaume n'est pas influencé, il est déjà à 100. On arrive à Jérusalem, nous sommes un pèlerin déterminé. Et on va influencer quelqu'un d'autre. Qui est-ce qu'on va influencer? Le roi de Valence? Tout le monde est à plus 100, c'est parfait. Ouais, le roi de Valence, allez, tiens. On va l'influencer. Il s'est fait casser la gueule, le roi de Valence, ou quoi? Blessé, ah oui, bah oui. Le retour, c'est bon d'être chez soi. Alors, du coup, on va faire les tests, là. Si je veux lever les troupes de Majorque. Voilà. Si je veux lever les troupes locales de Majorque, vous n'allez pas me dire qu'il y a 68 000 hommes dans les troupes locales de Majorque. Donc si je fais lever l'armée locale. Si vous n'avez qu'un seul point de rassemblement, toutes les armées seront levées ici. Ah voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il faut mettre plein de points de ralliement en fait. Comment je fais pour rajouter des points de ralliement? Également directement cliquer avec le bouton droit sur la carte. Ah oui. Oui, mais c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux rajouter des points de ralliement. Le petit plus. Ah putain, le petit plus. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah ça va changer la vie, ça. Et ben on va faire un ralliement par duché, en fait. Oh, ça va prendre longtemps. Alors, effectivement, le ralliement bourguignon, on va le mettre à la frontière, hein, de toute façon. Tac, au pire, on les changera. Barre. Luxembourg, on peut en rajouter à volonté ou on. Pas forcément par duché mais par zone stratégique. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que par duché ça risque de faire un petit peu du vilain.
Alors du coup, on va faire l'armée là ben, par royaume en tout cas qu'on a filé. Voilà. On va faire. Non, cette vue elle est bien. Un à Badajoz. Un en Galice. Un en Asturie. Hop. Un pour Valence. Allez, hop, on va le mettre ici. Ok, ça on est bon pour l'Espagne. On va en mettre un pour là. Pour toutes les troupes du coin. Un pour ici. Voilà. Dans le nord là. On va en faire une pour le nord qu'on va faire par là. On va en faire chez nous, hein, pour notre panneau. À notre capitale. Et il en faut pour les terres orientales. Moi, je pense que un, ça devrait suffire là. Pour les terres du coin, on en fait un par royaume. Ouais, voilà. Tac. Et le dernier. Ah, on peut pas en avoir plus de 10. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai overkill. Bon, c'est pas grave. Et du coup, là, si je fais. Attends, mais surtout que mon premier, là, il est où mon premier? Le premier, il est à Majorque, là. Ok, bah celui-là, on pourra le bouger. Ok, nice. Ça marche. Bon, c'est cool. Comme ça, je serai pas obligé de tout lever à chaque fois. Ça, c'était un petit peu relou. Merci pour le tips. Servir est un honneur. Contribution en impôt du vassal puissant et conseiller, plus 20%. Ah! Ok, donc on va mettre que des vassaux puissants en conseil. Le duc Godefroy, désolé. Mais c'est toi qui prendras la place. Hop. Et je crois qu'ils sont vraiment nuls par contre. Ouais, 9, non, on peut pas se permettre d'avoir un 9 en maître espion. C'est fâcheux. Une grossesse non désirée. Une scène théâtrale se déroule dans ma salle d'audience lorsque mon vassal, le comte Erard, accuse Renaud, le fils du comte Charles de Mélilla, d'avoir fécondé sa femme. Ça, c'est du vilain, ça, en général. Hein. Le comte Charles affirme avec indignation qu'il n'y a aucune preuve de la culpabilité de son fils, et même si c'était lui, c'est assurément de la faute à elle pour avoir des mœurs légères. Oh, comment on parle là? La discussion s'envenime et je dois faire quelque chose avant que les choses ne dégénèrent. C'est qui les deux belligérants? C'est le comte Erard qui est mon vassal et le comte Charles qui n'est pas mon vassal. Ben, on va défendre son vassal. Hein. Voilà. Une nuit à oublier. Par Dieu, cette fête est ennuyeuse. Elisabeth doit être la pire hôte que le monde ait jamais connue. Comment peut-on s'attendre à ce qu'un mortel puisse endurer cette morne célébration de la médiocrité? On pourrait essayer de se faire pote avec l'empereur byzantin. Ah mais c'est devenu notre ami, ok. Bon, Osef, hein, mais... Osef. Où est-ce que je les ai mis? Ah, je les ai mis là, ouais. Ok. Palissade à mon lord. Hop, on améliore. Là, on est bon. Super. Et du coup, on s'était dit qu'on allait leur péter la tronche à eux, là. Du coup, si je déplace lui, là, hop, avec le clic droit, parce que maintenant, je connais les petits tips. Ah non, ça déplace celui qui est à côté. C'est malin, c'est bien foutu, quand même. Du coup, lui, je vais mieux le placer que ça, parce que là, il est un peu perdu. J'en ai un là, un là. Putain, en étant daltonien, des fois, là, le vert sur vert, on sort pas, moi. Du coup, lui, on va le foutre en Algésiras. Hein. On est où?
Voilà, tac. Par ici. Ok. Du coup, en plus, ça rapproche le plus près. C'est top. C'est top, ça marche bien, ça marche bien. Et du coup, alors là, si je lève l'armée locale, ça me dit pas combien j'en ai. Mais 11 jours, je me dis ça va. Déclarer la guerre, s'emparer du comté de Jure, ou alors guerre sainte pour un comté, ça me coûte que 80 de piété. Avec un peu de chance, ça m'en rapporte même plus. On déclare la guerre, suspense, on enlève l'armée locale. Ça va demander 9 jours. Ah, ça lève quand même toutes nos escortes. Donc ça, c'est bénef. Ah oui, effectivement, on gagne en temps, on en a moins. Ah ouais, l'armée locale, c'est 1500 hommes, en fait. Ah non, ok, il y en a un petit peu plus. On rassemble tout le monde et on va les choper ici, là. L'élite, la fine fleur des armées provençales, là. Avec oh, la cavalerie lourde va faire un massacre. Non, dommage, il ne t'enfuira pas. Ah oui, alors là, ils ont pas de dame d'armes en face. On va regarder les stats pour le LOL. Ah oui, ils avaient tellement pas de mecs qu'au final, c'est même pas impressionnant, 1200 pertes. Bon. On va clore ça. Et effectivement, je pense que je vais supprimer des. Je vais en supprimer des. Lui, je vais le supprimer. Lui, je vais le supprimer. Lui, je vais le supprimer. En fait, je vais mieux le placer, celui d'Espagne. Je vais le déplacer. Ouais, il y en a déjà un ici. Ouais, c'est bon, allez, hop, ça dégage. Non, j'en ai un pour l'Espagne, un pour le Maghreb. Lui, je vais le virer. Voilà, tac. Un pour l'Espagne, un pour le Maghreb, un pour le Nord. Un pour chez moi. Et un pour l'Outre-Terre. Voire même peut-être deux. Ouais, lui, je peux le dégager. Tac. Du coup, c'est parti pour les sièges. L'ascension des Almohades. Ces fanatiques reviennent sans cesse. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils se foutent de ma gueule? C'est une blague? C'est une blague, je pense. Ils sont 141 000, les mecs, de ce petit duché là. Qu'est-ce que c'est les histoires exactement? Qu'est-ce que c'est les histoires? Attends, mais là, mon petit pote. Je vais appeler les copains parce que là, je vais pas m'en sortir. 140 000, mais quoi? Il y a combien? Il y a 1500 mecs. Y'a pas moyen de refaire une petite alliance avec l'empereur byzantin là? Putain, sans déconner, 140 000, qu'est-ce que c'est ces histoires? Ah là là, le fini, il veut pas. Si, je lui envoie un cadeau. Ah non, il veut pas, l'enfoiré. Ramette tes troupes pas trop loin si possible. Ouais, mais là, je vais me faire choper, je vais perdre mes troupes d'élite, quoi, ça va être un enfer. Non mais là il va me rect. Je peux même pas m'enfuir, putain. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Paradoxe, qu'est-ce que vous faites là? D'où ils viennent ces 141 000 mecs là? Est-ce qu'on peut m'expliquer? Ben on va lever les troupes par ici, hein. Ah non, mince. Hop, on va tout lever.
Et on va se faire éclater nos soldats d'élite. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ah, mais on peut appeler de l'aide de l'ordre. Bah oui. Ah bah oui, alors là, on va pas se gêner, hein. Ah, ça coûte 725 de piété. Ouais, bah ça les vaut, hein. Allez, hop, on les recrute. On recrute l'ordre hospitalier pour nous aider à se défendre contre les infidèles. On peut pas recruter l'ordre teutonique. Parce qu'il nous manque de la piété. Après, c'est 147K de péons. Ouais, bah j'espère que c'est des péons, hein. F, putain. Vous vous régalez là de me voir galérer comme un connard, hein. Ah non, putain, mes troupes. Attends, je vais foutre un mec pourri. Non, ça serait un peu. Non, alors je mets un mec bon. Le roi de Valence, ouais, il me kiffe pas trop le roi de Valence. Allez hop, on le met là. S'il meurt, bah tant pis pour lui. Popcorn. Ça serait drôle que les 10 000 hommes viennent à bout des 141 000. Ce serait cocasse. Et en plus, ça nous a annulé notre guerre de revendication, quoi. C'est un délire. Qu'est-ce qui branle lui, là, converti, le comté, nom de Dieu. Ah non, il peut pas. Ok, bah, il se fait à la maison. Alors, bon. Évidemment, ça se passe mal. On peut pas fuir, s'il vous plaît. J'aimerais fuir. Ça se passe pas bien, hein. Ah, ça se passe pas bien, hein. Alors est-ce qu'on s'est fait... Est-ce qu'on a tout perdu? On n'a pas tout perdu. On a perdu 2 000 hommes. Ils en ont perdu 1 800. Ils n'ont pas d'hommes d'armes, c'est que des pécores. Effectivement, on va les pourrir. Le roi Alphonse est décédé. Oh non, il est mort au combat. Quel dommage. On vient de le mettre. Oh là là, c'est triste. Bah voilà, ben chet, t'avais qu'à m'aimer un petit peu plus. Du coup, sa vassale, bah elle me kiffe, parfait, face à son héritière. C'est tellement dommage, il y a quelle tragédie. César le boiteux est venu se plaindre à propos de Epiphania qui le martyrise. Pardon? Qu'est-ce que tu fais à mon fils, toi? Alors, soit il devient lâche, non, soit paresseux, soit partial. César? Tu es nul. Alors lâche. Moins 2 de martial, moins 3. Opinion des vassals, moins. Alors, partial, ça serait quoi? Moins 2 d'intendance. Redoutabilité naturelle, plus 5. Plus 15. Bon allez, on va prendre partial, hein. Allez, pendant ce temps, tac. On ramène des troupes. Voilà, là on se barre. On va attendre qu'il souffre un petit peu de son attrition. Et après on ira enterrer la hache de guerre avec lui. Ben ouais, allez, moi ça me va. Tant qu'il n'est pas dans mes jeux, je veux bien enterrer la hache de guerre avec lui. Pourquoi on perd des provisions? Allez hop, on va par là. Ok, on a l'ordre hospitalier qui vient d'arriver pour se joindre à la fête. 3 mois pour le siège de Marrakech. C'est le sort qui attend à tous ceux qui t'aiment pas. La mort. Voilà. Une malédiction levée, on a un de nos rivaux qui est mort, du coup on perd du stress. Oh oui, on était quand même un petit peu submergé là. Donc notre autre rival dans les geôles, on va la torturer, ça va nous détendre en dépensant de piété. Non, on va l'exécuter en dépensant de piété. Merde, putain, on peut même plus exécuter ses rivaux en paix quoi. Du coup, si j'exécute des hérétiques. Ça me fait pas perdre, mais au moins je remonte en redoutabilité. Alors du coup, leur foi là, le Almohadisme.
Branche réformiste de l'islam sunnite, issue des tribus berbères d'Afrique du Nord, le mouvement almohade se considérait comme unitaire et prêchait une doctrine monothéisme purifié. Par la guerre. ok. Hop, ça dégage. Ah oui, on va faire temps en prison depuis 29 ans. 29 ans. C'est long, 29 ans. Hein. 28 ans, mais c'est pas mal aussi. Hein. Nouveau record. Ok. Du coup, bon là putain, on va lancer une bataille. Bon après, ça reste des pécores, mais je pense qu'on n'a jamais eu autant de troupes sur le champ en même temps, en simultané. Alors il en est où? Ah, bien approvisionné, il a 90. Ok. On va rassembler les troupes ici et on va partir à l'assaut. D'ailleurs, où en sont nos... Ouais, c'est bon, ils sont presque complétés au max. Nos soldats d'élite. Ça, c'est cool. On rassemble tout ça. Ils ont le double, mais on les défonce. L'ennemi a récemment débarqué. On a encore combien de temps, ce putain de malus, là? Ok, dans 4 jours, on l'a plus. Ok, donc on va... Tempo, ouais, voilà. Vous allez gagner facilement. Eh ben, bénef. J'espère qu'on arrivera juste avant le siège. Et la grosse bagarre. Hein. Ah, j'aime bien en plus la couleur. Alors, la bagarre. Ça nous affiche à la moitié. Là, ça nous affiche pas du tout à la moitié. Étrange. Ok. What the fuck? Pourquoi on perd comme ça? C'est quoi ce délire? Attends, mais il a bugué le truc ou quoi? On devait gagner facilement et là on se fait péter les fesses? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires? Sorcellerie? Attendez, mais comment vous voulez qu'on survive à ça? On a perdu 23 000 hommes, ils en ont perdu 17 000. Pardon? Bon, bon, bon. Du coup, le petit truc, vous deviez gagner facilement, bah celui-là, je le croirais plus jamais, en fait. Il nous faut un nouveau maréchal. Hop, lui fera l'affaire. Tac, il va s'occuper de former les commandants. Alors, dis-moi qu'il est bien, Aldebert. Aldebert, il est parfait. Et on va le nommer Félix. Ok, du coup... César le boiteux, on le déshérite. Voilà. Parce que ça va 5 minutes, hein, les boiteux. Et du coup, Félix, on va lui dire d'aller dans l'érudition. Et on va l'éduquer. C'est loin d'ouvrir les bourses et de payer des mercenaires. Mais là, même malgré des mercenaires, écoute. Ouais, je peux voir, hein. On va voir ce que je peux ouvrir, on va voir comme mercenaire. Ouais, c'est pas 2600 mecs qui vont faire la diff, hein. Franchement, Là, c'est chaud du cul, hein. C'est chaud du cul, hein. Je peux même pas... Ah si, je peux prendre un autre ordre. Mais un petit ordre. Ah non, on peut avoir qu'un seul ordre sacré en plus. Oh là là, quel enfer. Ok. Eh ben, on va attendre qu'ils se fassent niquer par leur attrition, je pense. On va la jouer. Voilà. On va patienter. On va diviser notre armée en 1000. Et on va se caler par là pour reconstituer les provisions. On va le laisser assiéger quelques places. Et on va essayer d'attendre qu'il ait un max d'attrition pour aller lui péter la tronche, hein, parce que je vois pas d'autres moyens. Ah ok, les alliés arrivent, bah, c'est pas dommage. Ventre d'information, non, on s'en bat les steaks.
Mon vassal blessé, quel dommage. Hop. Ok, on est à moins 28%. Alors, évite de rester avec moi, que sinon on va perdre des... putain, mais quel con. On va perdre des provisions, là, si tu restes avec moi, idiot. Ok. J'attends qu'il soit à son pic minimal de provisions, comme ça après on ira lui péter la tronche. Peut-être même qu'on recrutera des mercenaires pour marquer le coup. Ah, on peut appeler le Basileus à l'aide. Parfait. Le temps qu'il arrive, j'espère que l'attrition commencera à faire son œuvre. Et du coup, il risque de me prendre quoi? Le royaume de Maghreb, ok, tout ça. Pff, ouais, ça fait pas plaisir, ça. Après, de toute façon, on lui reprend derrière, en vrai, parce que là, il a les 111 000 hommes, mais c'est pour l'événement. Bientôt, il les aura plus, les 111 000 hommes. D'ailleurs, j'espère que nos troupes se reforment un petit peu. Oui, on n'avait pas 9 000 hommes avant. Ça se reforme, c'est bien. Alors toi, par contre, il faut que tu ailles dans un autre territoire, sinon tu perds des provisions. Il en est où, lui? À 40, ok. Ok, il avance beaucoup trop à mon goût. On va se replier tranquille. Ok, on se barre. On se barre. Alors, toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi tu vas... Merde. Toi tu vas là. Toi tu vas là. Hop. 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 Et hop. Voilà. En espérant qu'il n'arrive pas à nous accrocher. Il va accrocher notre allié, putain. Non, voilà, c'est bon. Allez, barrons-nous. On n'a pas besoin de prendre le fight là. Sauf si tu veux suite. Ah, il s'est fait choper. Il s'est fait choper un complot à la cour. Quelqu'un planifie un assassinat contre moi. Oh non, mais pas ça. Pas ça. C'est qui, qui sont mes rivaux? Mes rivaux sont en prison. Qui me déteste parmi mes vassaux? Allez, on va influencer lui là. Putain. Ok, on a les troupes byzantines qui arrivent. C'est parfait. Il continue à être mal en... à être mal en approvisionnement. Parfait. Un nouvel atout d'intendance. On passe administrateur. Donc, plus 3 d'intendance au pion du passage, plus 5. Et là, c'est le drame. Non, ça va, le drame, c'est pas encore. C'est si la prochaine bataille, on la perd, là, ça sera le drame, je pense. Mais pour l'instant... Voilà, il continue d'assiéger. Putain, les sièges, il les fait super vite alors qu'il a pas d'engin de siège. Je suis trop jaloux. On attend qu'il soit à 0. Et là, il va commencer à prendre la dose d'attrition, je pense. César le boiteux garde le trait cynique. Ou alors, il devient juste. Ou alors, il devient tempéré. Ah, juste et tempéré, c'est des bons traits. Tempéré plus 2 d'intendance et ça rapporte de la piété, ça c'est nice. Et juste, c'est moins 3 d'intrigue. Ah oui, attends, mais c'est pas notre héritier, ça on s'en bat les couilles. C'est César le boiteux qu'il a, il a qu'à être cynique. César le boiteux, fusion de Lost et go. Ouais, ouais, j'attends vraiment qu'il soit à 0 d'approvisionnement. Et là, on y va et on lui pète la tronche. Donc, dès qu'il passe à 5, je commence à avancer mes troupes. Allez, hop, je commence à avancer mes troupes. Parce qu'à partir de maintenant, en fait, il va commencer à prendre 6% d'attrition par mois. Donc, en fait, son armée va se détruire d'elle-même.
peu cher, César a failli être un mec bien. Non, il est boiteux, c'est mort. Non, bah oui, c'est, ouais. Il est passé à ça. Hein. S'il est, il aurait pas eu un pied beau, il aurait eu une belle éducation, mais du coup... Ok, parfait, il commence à perdre plein de troupes sans avoir besoin de moi. Voilà, de toute façon, on a joué en mode terre brûlée. Ok, il y a 94 000 hommes. Ouais, c'est bon, franchement, on va peut-être même être plus nombreux que lui avec tous les alliés que j'ai. On commence à avancer 89 000 hommes. Ok, il a des sales pertes. Et ouais, il faut bouffe, faut penser à la bouffe, mon petit, comment il s'appelle? Il s'appelle Maddy, mon petit Maddy. Allez, 89. On va reprendre ce château là, tranquille. Ça va nous prendre 25 jours. Lui, ça va le prendre 3 mois. On reprend le château et après, on va lui péter la tronche. 84 000, il perd encore. Tu as quel pourcentage? Là, je suis à moins 69. Donc, je reprends vite fait ça et après, je vais l'affronter pour lui péter la tronche. Vous allez probablement gagner. Ben, j'espère. C'est quoi le terrain? Terrain, c'est terre aride. Ouais, en plus, nos cavaliers vont avoir vraiment le champ libre. Ah, il se replie. Non, le shop. Parfait. Ça serait bien qu'ils prennent un autre... Allez. Ok. Ah, bah là, c'est plus la même, hein, quand tous tes hommes, ils sont affamés, espèce d'enfoiré, là. Voilà, on a l'Empire byzantin qui arrive. On a même peut-être des alliés. Ouais, 124 hommes très courageux du royaume de Lusatia qui, qui sont prêts à en découdre. Allez, c'est bon, on l'éclate, on le fume. Voilà, une grande victoire devant les portes d'Asphy. Vos actes pêcheurs ont un prix, pardon. Comment ça? Ouf, 41 000 morts dans leur rang. Eh ben, ça calme, hein, 41 000. Nous, on a perdu 6 000 hommes. Alors, nos paysans ont tué 15 000 hommes. On a perdu 5 000 de paysans. Les cavaliers en armure ont tué 8 000 hommes. Bordel, c'est énervé ça. Ah bah on a bien fait de prendre les chevaliers de l'ordre des Templiers ou je sais plus quoi là. Ils ont fait le taf. C'est cool. Oh, la piétaille en armure ne sert à rien, hein, la piétaille en armure. Je pense que je vais la disbande. Hein. Et les archers, ouais, ils ont un peu fait du taf, quoi. Pas ouf. Les piquets, ça va. Mais ouais, on va faire full cavalerie, je pense. Hein. Ok. Mais ils sont, elles sont... Où est son armée? Elle a disparu. On va aller assiéger Marrakech dans le doute, mais je vois plus son armée. Genre, elle a été... rasée. Bon, je te rends ça. Je sais pas ce que tu fais dans mes jeux, toi. Mais... Ok. On est repassé à moins 4%. C'est parfait. Mes filles. Oh, on a deux jumelles. Bah, parfait, que ce soit des filles. Donc, ça sera. Comment je les appelle? Dites-moi comment j'appelle les jumelles. Il y en a un qui me sort ticket tac, ça va pas le faire. Hein. on a qui dans les ancêtres? Attends, on a qui déjà? Alors on a tellement d'enfants. On a Fanny, Josepha, Germaine. Adéode. Allez, ben va pour Adéode. C'est le ticket tac du Moyen-Âge du coup. Hop. Allez, ben du coup, on va... Ah si, voilà, ok. Ces troupes sont là. On va le pourchasser dans les montagnes. Et on va les tuer jusqu'au dernier. Voilà. Même s'il défend les montagnes, il a plus que de la vieille
piétaille, quoi. Nicole et Colin. Ah, Marie et Jane. Trop tard, fallait être plus rapide. Pour les prochains. Je garde les idées pour les prochains. Vous êtes connu pour votre dévouement à votre foi. Parfait. On appuie les demandes. On disperse. Et du coup, lui, il va pas y couper en fait. Hein. On va lui péter la tronche. On attend qu'il enlève ses 20 000 hommes là. Et après, on lui pète la tronche. Voilà. Et maintenant, on lui pète la tronche. Attends, mais quoi? Il a toujours 20 000 hommes? Il semblerait. Ben du coup c'est pas c'est reparti. Hein. Guerre sainte pour un comté ou non, on va s'emparer du duché de Jure, ça coûte moins cher. Du comté, pardon. Ouais, hop. On déclare la guerre. On va se reculer un petit peu. Cette fois-ci, on va tout lever. On va pas faire les mecs. Hein. On a retardé. Le potentiel devient votre rival. Non, bah ça va, je suppose que c'était drôle. Ah oui, c'est vrai, il nous a foutu à la flotte. Non, c'est bon, on n'a pas envie de rivaux. Déjà qu'il y a des gens qui essaient de nous assassiner. On en est au niveau des factions. Aucune faction. Ok, là il a ses 18 000 hommes. On va rassembler nos troupes par ici. Par ici plutôt. Et on peut commencer à aller là. Et là, on va lui péter la tronche. Et nous venger pour tout ce qu'il nous a fait. Enfin, c'est... Il nous a donné du fil à retordre quand même, ce fumier. Heureusement qu'on pouvait se permettre d'attendre et de le laisser mourir de faim, quoi. Alors... Ah ouais, 18 000 pertes. Non, et ça, c'est la victoire la plus récente. Ouais, on a 700 pertes, ils en ont perdu 17 000. Chez. Allez, on y va, on assiège 28 jours. Une alliance avec le duc Hugues. Un tuteur à Josepha, on l'envoie à notre femme. Ok, la première baronnie est finie. On va s'occuper de la deuxième. Et des petits 70 copains qui sont là. Malade, mon corps mortel! Ah! On est malade, non? Ok, correct. Heureusement qu'on est reculé. Hein. Allez, ne faites pas plus que ce qui est nécessaire. Un peu plus lumineux. Excellent travail, Marie. Parfait. Les symptômes de la maladie sont réduits. On a un gros bonus de santé. On va y survivre. Tant mieux. Notre héritier a quel âge? Il a 2 ans. Effectivement, il faudrait tempo un petit peu. Alors, Guillaumette. Tiens, étant apparenté, fuck. On va essayer de diversifier un peu les gènes, mais... ouais, mais le truc, c'est que tous les mecs... enfin, toutes les meufs qui sont bien, elles sont forcément... Mais attends, mais... Étant apparenté, si c'est apparenté de loin, ça passe, non? Putain. Ah, une naine. C'est rigolo, ça. Ouais, ça va, c'est apparenté de loin. Ça passe. Alors, la question, c'est... On préfère Robus, on préfère Herculéen, quand même. Hein. Donc, on va prendre Herculéen. Comme ça, on est sûr d'avoir... qu'il ait ces traits-là. Et s'il est moins beau que la moyenne, ça passe. Et du coup, Marie, là... C'est la petite fille de mon cousin. Ah, franchement, on a fait bien pire depuis le début. Hein. Voilà, exactement, il y a parenté et parenté. Ces phrases, ça ne tient pas devant le juge, ça.
Ok. Allez, on envoie la proposition. On finit ce siège en 30 jours. On va finir, même si on est à 100%, on finit quand même le siège, histoire de les humilier. Alors que j'ai vu, ainsi soit-il, ça fait partie du duché de Marrakech. Du coup, tac, je lui transfère le vase. Quoi? C'est pas une vassale, elle. Elle a pas de terre. C'est ses histoires. Bon, ça doit être un bug. Du coup, qui c'est qui? Alors, je disperse au tout. Tac. Qui c'est là le... Alors, toi, hop, je révoque ton titre. Non, tu veux pas. Je t'emprisonne. Où es-tu? Pourquoi je peux pas t'emprisonner? Ses partisans le protègent, mais c'est quoi ce délire là? Pas évoquer ton titre. Attends, mais tu te prends pour qui, toi? Pour qui se prend? Du coup, je peux pas révoquer ses titres. Je peux pas l'assassiner. Je peux pas l'emprisonner. Bah, je vais attendre que tu calmes, mon petit pote. Hein. En tout cas, je vais envoyer mon patriarche pour les convertir par ici. Ok, et du coup, vu qu'il va se révéler à tout moment, on va éviter de déclarer des guerres. Ah là, on gagne tellement d'argent, c'est nice. Et d'ailleurs, au niveau de la tech, on en est presque à bout, plus que 20 mois. Bah, parfait, on va attendre la tech. Ok, l'empereur byzantin a besoin d'aide. On va accepter. C'est quoi sa guerre? Ok, encore des rebelles. Les rebelles sont peu. Comment ça, il a 84 000 hommes? Ah oui, ok, c'est avec mes hommes à moi. Du coup, c'est juste pour baisser l'autorité de la couronne. Ok, bon, ben, peu importe. Un complot a été découvert, mon maître espion m'a annoncé une grave nouvelle. Jirvé planifie un assassinat contre moi. Alors toi, mon petit pote, on verra qui assassinera bien le dernier. Du coup, il a combien de chances de réussir? 66% de chances de réussir. Je pourrais la séduire pour qu'elle essaye d'arrêter de me buter. Putain, mais comment ça, 66%? Ah non, c'est assassiner Gervais. Ok, autant pour moi. Je pourrais faire chanter des gens. Non, bah il a dû être annulé, son complot. Ok, parfait. Ça ne vaut pas le coup. Ah, on va arrêter d'influencer, on est déjà à 100%. Oh là là, encore des hérétiques. J'en peux plus. Des hérétiques de partout. On va mettre... qui est-ce qu'on va influencer? Le duc Gilbert de Séville. On l'influence. Et alors, toi, là. Des hérétiques, c'est chez moi, ça, ou pas? Non, c'est pas chez moi. Bon, ok. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Vous avez été submergé par le stress. Ouf. Alors, soit j'ai besoin d'un verre, et du coup, oh là là, la vache, on est à 145, mais c'est quoi qui nous stresse comme ça? Pourquoi il est stressé comme ça, Marius? Nom de Dieu. Et là, on reprend une couche de stress en plus, et on dépasse les 200. Ah bah non, on devient ivrogne, hein. Pourquoi il est si stressé que ça? Non, je sais pas pourquoi il est stressé. On devient ivrogne. C'est quand on essaie d'assassiner quelqu'un, ça nous stresse? Bah non. Bordel.
Donc là, alors là, on va les chasser déjà. Voilà. Et ensuite, juste après, on va organiser un banquet. Ça va nous détendre. Des complications. Regardez cette catin abjecte de Douce. C'est qui elle? La duchesse Douce de Tolède. Siffle la duchesse Eguilona du haut de son coursier de chasse. Ma vassale, la duchesse, semble être atteinte par l'injure. Vous agissez comme une enfant et serez punie comme telle. Du coup, on la fouette. Ok. Ce n'est pas une façon pour une duchesse de se comporter. Médiation, on prend plus un diplomatie. La duchesse Eguilona perd 20 d'opinion vers nous. Elle est déjà assez haute, donc c'est pas grave. Allez, on va prendre les stats. Quel dommage de ne pas l'avoir perçu dans la ligne de mire. Arc à la main, le pas silencieux, les yeux rivés sur le renard devant moi, une profonde respiration. Et serait-ce la duchesse Eguilona? Ma vassale assommante se faufile à travers les plaines avec de l'avance sur moi, entièrement concentrée sur le renard. Quel dommage de ne pas l'avoir aperçu dans la ligne de mire. Ah, on pourrait la kill. Non, bah ça va, hein. Ce n'est pas la bonne façon. Attends, quoi? Et pourquoi on prend du stress là? Bon, bah dommage pour elle, hein. On va pas prendre de stress, nous. Les fidèles se préparent à la guerre. Enfin! Mes guerriers seront prêts. Croisade sur l'Angleterre, pardon. Attends, la croisade sur l'Angleterre. Qu'est-ce qu'il fait le pape encore? Le pape fait n'importe quoi, hein. Croisade sur l'Angleterre pour récupérer ce petit bout-là. Et il est où l'autre petit bout? Genre pour récupérer rien en fait. Ah oui, voilà ce petit bout-là. Bah super, franchement, nickel. Donc non. Alors, on a 741. Du coup, on va pouvoir effectivement réorienter la guerre. Alors, la Poméranie. C'est tout là-haut. Il y a moyen de faire un truc loin là. Hop, on va mettre la vision royaume. Et du coup, si on va la guerre, Poméranie. Zap, alors, Francie occidentale. Skill défenseur, ouais, c'est un pauvre comté. Alors, Royaume de Alba. Ouais, non, ça serait tout petit aussi. On l'a fait où la croisade alors? On pourrait. En vrai, si on peut unir la Guinée, genre ça pourrait être sympa. Un truc qui soit accessible en bateau, plutôt que d'aller dans le nord là. C'est quoi la situation géopolitique dans le nord? Ah, c'est un gros royaume, ça. C'est un gros royaume orthodoxe. Ah, ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas que ce soit orthodoxe. On va peut-être essayer de le concurrencer. Si on met un royaume de Lituanie puissant, on peut faire une croisade contre la Lituanie? Mais non, pas contre les orthodoxes, je pense. Hein. Maghreb, Mongolie. Guinée. Ouais, non, non, on peut pas taper des orthodoxes, hein, ça c'est vraiment une plaie, hein. J'aimerais trop faire une croisade sur l'Empire byzantin pour leur expliquer la vie un petit peu. La Moldavie, c'est chrétien ou pas? C'est orthodoxe encore, putain, mais il y a des orthodoxes de partout. Ben du coup, pourquoi pas la Guinée en vrai? Ou alors moins loin. Ouais, non, la Guinée c'est bien. La Guinée c'est très bien. Ou alors le Sahara.
pour éviter que le pour éviter que l'Empire byzantin se propage. Je crois que non, ça, il peut pas aller vers le sud. Ou Yaminide. Ouais, Yaminide, comme ça on leur fait le même coup. Allez, Yaminide, c'est bien. Allez, hop. Réorienter la guerre. Yaminide. Ils auraient pu mettre un onglet où on tape le titre. Hein. Parce que là, je suis même pas sûr si je l'ai pas passé. C'est même pas par ordre alphabétique. C'est sûr que je l'ai passé. Ah, j'avais mis, non. Je vais faire comme ça pour voir si ça c'est clair. Je l'ai passé, putain, c'est sûr, je l'ai passé. C'est dans le premier quart. Yaminide, hop. Ok. Changer la cible de guerre, on est bon. On va nommer un bénéficiaire. Du coup, Béranger. Béranger, il n'a pas d'héritier. Margot, elle a des héritiers qui ont des terres blanches. Blanche Cruchot est mariée à un héritier. Marie d'Artois. Hildegarde, votre cousine et belle-sœur. Comment ça? Ok, c'est un héritier. Bérangère, votre cousine et belle-sœur, c'est un héritier. Alice. Mon cousin Édouard. Cousin Édouard, ses enfants, ils sont pas ouf. Attends, mais on n'a pas des gens de plus proche parenté quand même? Voilà, ma cousine Germaine. Héritier, ma tante. Ben voilà, Félix. Cousin Félix. Très bien ça, cousin Félix. Il a un héritier. Ben voilà, c'est très bien. Cousin Félix, c'est parfait. Hop. Je te choisis, cousin Félix. Et du coup, c'est dans combien de temps la croisade? Dans 16 mois. Et ben parfait. Putain, ils ont pris le Sinaï, les empires byzantins, de ces morts là. Ok. Bon, de toute façon, on a le chemin ouvert hein, vers le Yaminide. Donc là, on va patienter tranquillement 16 mois. Ah ouais, ça, on n'a pas pu avoir le Limousin. Est-ce que je peux te déclarer la guerre? Ouais, rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Du coup, 4 ans pour convertir là-bas. Ici on est bon, on est bon. Et bon, on va faire une petite pause. Allez, on revient dans 5 minutes. À de suite.
Et on est de retour. Du coup, je pense pas qu'on va déclarer de guerre avant la croisade. Et combien de temps il nous reste pour convertir 4 ans, bordel. C'est long 4 ans, hein. Les Almohades, là. C'est un délire ça. Genre non, je peux pas le révoquer, je comprends pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. En plus, il a 40 ans, il n'est pas prêt de crever ce fumier là. Hein. Ah ouais, bah non, il peut pas me blairer. Hein. C'est impossible de l'assassiner, quoi. Franchement, je sais pas quoi faire de lui. Il me fatigue, hein. Bon. Des complications. J'ai essayé d'intervenir, mais le renard l'avait déjà piétiné. Quoi? Au moins, elle n'a pas eu à mourir seule. Personne ne remet en question mon histoire sur sa mort tragique. Comment ça, le renard l'a piétiné? La duchesse a été tuée par nous. Ouais, bah ça, bah dommage. Hein. César le boiteux a semblé énormément apprécier notre dernier festin sociable. Bah oui, sociable, c'est bien. Enthousiasme pour la conversion. Ah, parfait. Est-ce qu'il gagne du temps? Pas vraiment. Bon. De retour des comtés sauvages, nous rentrons revigorés. Dans 15 mois, oui, c'est bon, on a le temps. En plus, on est à la frontière. Un dirigeant à devenir. Félix devient un enfant autoritaire. Bah, très bien. Pourquoi pas. On est toujours stressé, alors on va organiser un banquier. On peut se faire plaisir en buvant. On verra ça après. Un joyeux rassemblement. Bienvenue mes amis. On peut emprisonner le duc Jean. On a 100% de chance. Faisons-le. Ah non, le bourgmestre va apprendre le secret du meurtre. Bon, bah, de toute façon, c'est un bourgmestre, donc on va les tech. Hop, en zonzon, lui. Est-ce qu'on peut modifier ton contrat? On est déjà au max. Par contre, t'as trop de titres, donc on va faire partition obligatoire. On va négocier la libération. Ok, c'était revendication, qu'on s'en fout. Donc, obtenir un hameçon faible. Et du coup, modifier le contrat féodal, c'est partition obligatoire. C'est que du coup, quand ça se divisera entre tous ses enfants à chaque fois, on utilise l'hameçon. Hop! Voilà. Si tu cherches des secrets à sa cour, tu pourras peut-être des gens pour t'aider à l'assassiner en utilisant des hameçons. Ah! Ouais, mais en partant de 5%, on part vraiment de trop loin, non? Alors là, pour qui on prend? Il a poil, putain. Soit le comte Erard, soit le comte Eustache. Nous en reparlons plus tard. Mais toi, là, pourquoi t'es... Faut se convertir, non, mon bon petit monsieur? Allez, on fait des efforts conjugaux. On n'est plus malade, on va à nouveau bien. Parfait, il s'est réhabillé. Très très bien. Ouais, on peut essayer de chercher des secrets. Hein. On va voir ce que ça donne. Le départ de mes invités à la prochaine. On est festoyeur réputé. On a un nouvel atout disponible. Alors, on part sur la construction ou pas? Oui, parce que bientôt on va construire pas mal de bâtiments d'ici 15 mois. En pleine croisade, ok. On a hérité de la baronnie de Marseille, parfait. On va du coup filer ça à un vieux.
78 ans, mais il est parfait. Hop. On a quand même 2500 de renommée. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, du coup, s'il révèle le secret de meurtre, bah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un hameçon faible. Bah, écoute, si tu veux, mon petit pote, hein, mais je vois pas en quoi ça va te servir d'avoir un hameçon faible sur moi, en fait. On verra. Oui, du coup, la renommée. Est-ce qu'on a des héritages sympathiques? Opinion des courtisans et invité plus 10. Ouais, piété mensuelle. Non. Est-ce que opinion populaire plus 5, pas mal. Opinion de vassal puissance plus 5. Ouais, mais après ça, ça va coûter un petit peu cher pour l'instant. Ça, on s'en fout. Ah, opinion de la dynastie plus 5, ça c'est pas mal. Probabilité de réussite de complot personnel plus 30% contre les membres de la dynastie, ça aussi c'est bien. Ouais, on va poursuivre dans cette voie, je pense. Si on n'a pas besoin de déshériter tous nos enfants d'ici là. On a une nouvelle fille qui, elle aussi, est filiforme. Allez, hop. Le scandale, maintenant tout le monde le sait. Ma sœur, la reine Josepha, a montré depuis quelques temps des signes de grossesse et tout le monde pensait que le mari était le père. Et non! Ah là là, ma sœur qui est pas très fidèle. Hein. Du coup, 10 mois à croisade. Hantée par la maladie. Ah non! Marie est un enfant maladif. Ah ouais, bon, ils ont pas trouvé de secret. Mais ils ont quand même 84 000 hommes, les mecs, en face. Il va falloir leur faire la blitzkrieg. Salut Lyon. Ta sœur est pas fidèle, mais au moins ce coup-ci elle couche pas avec son frère. Oui, c'est un avantage. Ah, si on peut plus avoir confiance dans la famille, c'est vrai que là. Bah, de toute façon, tous les vassaux c'est la famille. Et vu qu'ils arrêtent pas d'essayer de se rebeller, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance dans la famille? J'en doute. Bon, lui là, putain, lui j'ai envie de le fracasser. Hein. Ouais, de toute façon, avec 500 hommes, il va rien faire. Assassin! On assassine lui parce qu'il a essayé de nous assassiner. Faites-le. Ah, mais on prend du stress parce qu'on est sociable. 53% de chance. Après, ça va, on prend que 12. On tente. Ah non! Cela semble avoir été difficile, mais finalement, l'assassin est parvenu à faire en sorte que Gervais quitte ce monde. Malheureusement, même si je continue à affirmer que les accusations ne sont pas fondées, personne ne doute que ce soit ma faute. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On est un assassin. En plus d'être un parasite familial, on est un meurtrier. Opinion générale, moins 15. Oh la vache. Ah, ça fait mal, moins 15. Le pape, il peut faire quelque chose pour nous, là? Si on achète des indulgences ou des trucs comme ça... Oh là 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 là... Tellement triste. On va influencer le pape, peut-être que ça nous aidera. On verra bien. C'est quoi cette guerre? Ah oui, c'est vrai. L'Empire byzantin qui se tape avec des rebelles. Oh, il est en train de se faire défoncer, hein. Eh ben, chais. Voilà, t'as fait cap pour prendre le Sinaï. Stab contre stab. Une malédiction levée, on perd 42 de stress, parfait. Il nous faut un nouveau maître espion. Ben voilà, le duc Gilbert de Séville, il est très bien. C'est pas un vassal puissant, donc ça c'est dommage. Ah oui. Ah oui, la reine. Toi t'as combien sinon? Ou attends, on va te remplacer par la reine de Jérusalem. Hop. Et toi, on va te remplacer par personne. Et toi, par personne. Ok.
On est pété de bif, on gagne 200 par mois. On choisit un tuteur pour Germaine. On va l'envoyer chez un de nos vassaux. Voilà, Germaine. Hop. Excellent. La croisade, c'est dans 2 mois. Bah voilà, on va pouvoir commencer à lever les troupes tranquillement. Mince, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que... Ah oui, ok, ça c'est une révolte. Et du coup, c'est lequel? Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, on va le déplacer par ici. Et du coup, on va tout lever. Les troupes par là, ça va nous prendre 2 mois. La guerre démarre dans 2 mois. À quand le banquet IRL avec les abonnés? Le banquet Covid? Ah là, il y a la peste noire dehors, il faut rentrer en réclusion. Hein, donc, compliqué là, les banquets en ce moment. Tu m'as l'air stressé. Alors, 39 jours, parfait, on sera pile poil à temps. Est-ce que j'ai des trucs ouverts? J'ai l'impression que c'est un petit peu ralenti. Ouais. Ok. 8 jours restants. Hop. La croisade, Deus Vult. Le temps est enfin venu d'apporter la sainte colère de Saint-Georges contre les villes infidèles de Yaminide. Enflammée par une fureur vertueuse et une résolution inflexible, la grande armée de croisés réunie par le pape Martinus se met en marche pour rendre la justice divine contre le mal et gagner sa place au paradis. Allez, feu. Où sont nos engins de siège? Ils devaient être par là. C'est par ça en 2. On a ces jeux là, là. Eux, je vais les garder en arrière, comme ça ils ont accumulé un petit peu de provisions. Ok, ça c'est plus cher en tout cas. 40 jours pour assiéger, ça c'est nice. On va rapidement passer premier dans... Je pense qu'on va descendre par là parce que s'enfermer dans le couloir ça va être relou. Allez, on assiège. Ouais c'est ça, replie-toi ouais. Là c'est bon, on va assiéger sa capitale. Là c'est bon, avec eux on va descendre vers Mahan. Ok, on va faire ça. Allez, 53 jours. Là, combien? 12 jours. Ok. Du coup, on va faire le siège de Aqaba. On dirait là où il habite Aladdin, Agrabah. Mais c'est Aqaba, là. Des prisonniers peuvent être rançonnés. Ok, les prisonniers, on fera ça après la guerre. Quoique peut-être qu'ils pourront plus payer en fait s'ils sont expropriés. Donc on va les rançonner maintenant. Ça joue dans la balance ou pas? Non, ça joue pas. Hop, donc on rançonne. Votre culture a découvert la position mur d'enceinte de château.
fasciné par les murs d'enceinte. Fanny est adulte, ma fille est adulte, parfait, on va pouvoir la marier. Ah, du coup, c'est qui toi? Héritier du comté de Plassen. Ok, bah vas-y, feu. Allez hop. Donc toi, tu vas là, toi, il te reste 7 jours. On hérite de la baronnie de Marseille. On refile immédiatement. Dommage qu'on puisse pas mettre notre fille sur le champ de bataille parce qu'il est trop jeune en fait. Il a 4 ans, il aura pas le trait croisé, c'est fâcheux. Par contre, nous on peut avoir le trait croisé au fond. Voilà, hop, on va se mettre à la tête des troupes. De toute façon, là, on craint des dégâts. Hein. On va à Tabour. Je sais pas où sont les ennemis. Soldats de la Croix, parfait. On devient croisé. On a vraiment tellement de stats. On a quoi comme, comme avantage en fait au combat? Commandant. Ok, bon. Pas d'avantage particulier. Un ami a quitté la guerre. Ok, bah très bien. Ah, 13 000 hommes. 13 000 ennemis, bon peu importe. Là, c'est qui avec moi? On a les troupes de Tubna. Balistec. A chaque fois, on a une armée qui fait, alors, qui est beaucoup plus rapide dans le siège que l'autre. J'ai du mal à comprendre. Niveau de fortification 4 et 400 de garnison. Et là, si c'est la même chose, je comprends pas. Hein. Ah oui, niveau de fortification 10. Effectivement, il y a une raison logique à cela. Le bourgmestre est devenu votre maréchal. Oh là là, mais quel fumier, putain. Il a utilisé le complot pour devenir mon maréchal, quoi. Pendant 25 ans, je vais être obligé de me le frapper. Ça ne marche pas. Nouvelle fascination culturelle. Oui, c'est vrai. Et en plus, il faut que je construise des bâtiments. Ah ben, guild, c'est rapide, 3 mois. Limite du domaine plus 1, parfait. Si c'est 3 mois, je prends. Et c'est parti pour les bâtiments. Nice. On améliore. Toulon. Fort Calquier. Oh, on peut améliorer ça direct. Le terrain de joute, ça donne quoi alors comme bonus? Oh la vache, plus 20%. Plus 30% de dégâts. Oh là 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 là. On va être unstoppable. Tac. On améliore. On n'a pas moyen d'améliorer le château. Hein. Non, ce sera plus tard. Ok. Il a 56 hommes, le maréchal. Foule à la tête d'une petite armée pour l'envoyer au casse-pipe. Ça serait vraiment pas sympa. Ouais, ça va, je verrai plus tard, c'est une bonne idée. Alors, on continue d'assiéger, on va assiéger la capitale ici. Bon, là, on s'enferme un petit peu, par contre. Plus que 30 jours. On est déjà à plus 39%. Allez, tac. On va assiéger ici. Malheureusement, là, nos deux troupes prendraient trop d'attrition aux terres ennemies. Du coup, on va les séparer encore en deux. Histoire d'avoir un petit peu de backup. Hein. Voilà.
Les dépenses de la guerre. Les guerres coûtent cher. Et comme mon trésor se vide rapidement, il faut que je réfléchisse aux moyens de payer pour que mes soldats restent sur le champ de bataille. Imposer plus lourdement les paysans. Moins 20 d'opinion populaire et augmentation du développement, moins 5 par mois. Non, ça m'arrange pas. Réduire les dépenses militaires d'un essentiel. Ça serait nice. 36% de chance que ça se passe mal par contre. Hein. Les choses finiront par s'arranger. Oh là là, on est obligé de prendre ça. Allez, ça marche. Efficacement approvisionné. Yes. Nice. Ok, le siège de Taïma se passe. On commence à souffrir de la faim, mais ça reste encore gérable. Oui, ça reste largement gérable. On a un atout. Hop, main d'œuvre professionnelle. Nous avons découvert Guild. Parfait. On n'a plus qu'à attendre que le baron de Marseille décède. Et ensuite, qu'est-ce qu'on recherche? On ne peut pas entamer des recherches. Comment on fait pour rentrer dans l'ère Moyen-Âge tardif? N'est pas disponible. Alors 1200, on se fait nerf comme ça. Reconquista, 5 ans pour la Reconquista. Mais bon, on s'en fout un peu. Là, ça nous dit 15 sur 17. Ah oui, 15, 16, ouais. Ok, d'ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Soit les arbalétriers, soit domaine seigneuriaux, impôt du domaine plus 5%, hein, c'est intéressant ça. Ou alors urbanisation pour augmenter le développement, 4 ans seulement pour l'urbanisation. Mais de toute façon, je pense qu'on va finir de tout rechercher avant 1200. Hein. On a eu un bon boost de tech, et en même temps on est assez balèze en... En ça, croissance du développement, ouais non, le développement c'est plus 10%, c'est mieux. 9 ans pour ça, 4 ans pour ça, 7 ans pour ça, 4 ans, 10 ans. Allez, on va prendre 4 ans d'urbanisation. Allez, 17 jours. On va rançonner les prisonniers. On peut emprisonner le duc. Le duc Thomas de Haute-Lorraine. Qu'est-ce qu'il a fait ce margoulin? Pas assez dynastique, comme moi. Est-ce qu'on a déjà. Non, on n'a jamais modifié ton contrat en plus, toi. Du coup, on va te libérer. Contre Hamson. Il a des revendications énervées. Hein. Ouais, bon, on s'en fout. Allez, on obtient le Hamson faible. Toi, tu vas siéger ici. Et il a plein de terres en fait. Du coup, on va modifier son contrat. Il a plein d'enfants, on va faire partition obligatoire, on va vérifier haute partition. Ouais voilà, non, partition obligatoire. Hop, ça dégage. Comme ça, ça l'affaiblit. Ok, on a fait quand même pas mal de sièges, on est à plus 60%. Ah, c'est quand même grand, hein, chez eux. C'est grand chez vous. Hein. Tac. Ok, tous les autres croisés arrivent alors qu'on a déjà bien pris pied sur leur terre. Allez, on poursuit les sièges. Putain, c'est la guerre, les montagnes. Eh oui, les armées alliées qui viennent ajouter de l'attrition, effectivement. C'est un petit peu relou, mais bon. C'est la vie. Une proposition sensuelle. C'est gentil, Isabella, mais non. Non. On mange pas de ce pain-là, nous. D'ailleurs, on en est où du stress? C'est bon, on est à zéro. Il y a une sale montée, Marius, de stress. Là, ça l'a picoté un petit peu, mais là, ça va mieux.
Allez, la croisade qui se passe bien. On en est où d'ailleurs? Il a toujours autant de troupes. 82 000, ouais, bah on n'en a pas vu la couleur. Ah bah voilà, ils sont là. Ils commencent à désassiéger, on s'en fout, on a tout assiégé, nous. Hop. Alors, on s'en fout, mais ça pourrait faire monter le... Ça pourrait faire monter le score de guerre. Donc allez, on part, on va le poutrer. Pourquoi on n'assiège pas ici? Ah, c'est deux jours. On va aller lui péter la tronche. Voilà. Et après, on partira par là avec une seule, avec des pécores et des engins de siège. Comme ça, on fera se reposer nos armées. Alors, par contre, vous allez tous vous calmer très très fort. Voilà. Parce qu'avec ses 32 000 hommes, là, il est bien sympa, mais on veut pas se faire choper, quoi. Allez, allez. César le boiteux est adulte. Ils grandissent vite. Donc on va le marier à Abda. Ils sont encore apparentés, putain. Alice Cruchot. Voilà, c'est très bien ça. Non, mais il n'y a pas moyen de marier à une héritière. Ce serait cool, ça, de marier à une héritière. Non, apparemment, il n'y a pas moyen. Alors, ils grandissent vite. Très bien, on va essayer de fourber. Alors, là, eux, ils ont pas de... Lui, il n'a pas de fille. Lui, il n'a pas de fille. Ici... Il y a beaucoup de filles là. Il y a beaucoup de filles. Et elle, elle est déjà mariée. Fuck. Donc là, ce que je cherche à faire. Les traits de qui De mon héritier Non, c'est pas mon héritier en plus, César. C'est César le boiteux. Il est pied beau. Alors, du coup, à qui on va essayer de. Lusatia. Ouais, non, c'est galère ça. L'autre Lusatia. Il n'y a qu'un fils, non, ça marche pas. Pas des royaumes catholiques par là. La Finlande. Et ouais, mais elle est déjà mariée, elle. Les Hébrides. Déjà mariés. La Mercy, ils sont trop vieux. Pays de Galles. Déjà mariés. Ah putain, quel enfer. La Grande Moravie, bah voilà. Ah non, mais ça marchera pas ça. Ah, il y a peut-être moyen d'arranger un mariage avec lui. Alors, en matrilinéaire avec notre fille, il accepterait pas, hein, il veut pas. Non, c'est pas mon héritier le boiteux. Non, je l'ai déshérité. Hein. Non, mon héritier c'est Félix. Félix qui est Hercule et un magnifique qui est génie, tu vois. Donc lui, il est, voilà. BG Félix. Mais du coup, je sais pas quoi foutre de César. Bon, bah, je vais le marier à une random. Hein. Non, la nièce c'est un peu trop proche. Ah non, alliance avec le royaume de Lusatia. Allez, on y va. On y va, alliance. Tac. Ben du coup, voilà, si elle est mariée à lui. Attends, c'était laquelle? C'est elle? Non. Ouais, voilà. Alors, si on assassine lui et elle...
On met un cruchot sur le trône de Lusatia. Bon, on va essayer. Hein. De toute façon, on est déjà à 28%, c'est peu ça. C'est peu 28%. Si on commence par elle, 28% aussi. Voilà, fuck. Bon, c'est bon, ça va être trop galère. Des prisonniers peuvent être rançonnés. Hop, on rançonne. On emprisonne le comte Herbert. Et on retourne à nos moutons. La justice bien, on commence à être dans le mal au niveau des provisions. On a bien fait de garder des mecs en arrière pour l'instant, enfin tout à l'heure. Allez hop, on y va. On va leur fracasser la tronche et on n'en parle plus. Allez. Bah alors on fuit? Non, sérieux, il fuit pas là. Allez, on va les éclater. Ah, ils sont 32 000 quand même, hein. Ouais, c'était pas gagné d'avance, hein. Surtout que nos mecs ont un petit peu la dalle. On va pouvoir, vu qu'on est sur nos terres, là, diviser un petit peu toutes les armées pour les renvoyer se rapprovisionner. En tout cas, la grande bataille de Chabac, une victoire écrasante. On prend 1214, voilà, vache, de piété. On a perdu 11 000 hommes, ils en ont perdu 12 000. Très bien. On va défoncer eux. En espérant passer à 100% aussi. Ok, on les accroche. On passe à 93. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer une nouvelle armée. On va prendre les trébuchets et quelques pécores. Et on va les envoyer ici. Et tout le reste, on va le mettre pas très très loin. On va attendre qu'ils avancent. Hop. Ah non, il... Oh là là, il est lourd quoi. Ok, c'est bon, on va gagner, on n'a pas besoin du reste. Hop. Ah mince. Oh là là, quelle erreur. Hop, on divise, on amène 6 000 ici, 6 000 là. 6 000 là. 6 000 là. 6 000 là. Hop. Hop. On les a défoncés là. On regroupe tout ça. Pourquoi tu perds des... C'est pas assez bien ici? Ah non, limite d'approvisionnement insuffisante. Ok. Donc tu vois là, c'est pas un problème. Ok, là ils m'ont attaqué pour une raison inconnue. Là ils perdent. Ils vont te faire reculer. Là, tu reprends des provisions, c'est cool. Ok. On se réapprovisionne tranquillement. Ah oui, qu'il y en ait beaucoup ou pas beaucoup, en fait, qu'on ait 50 000 hommes ou 5 000, en fait, les engins de siège, ils fonctionnent tout pareil. Ok. Là, c'est good. On pourrait commencer à aller vers là, mais bon, on est à 100%, on va pas se gêner, on va attendre ici, on va patienter. La croisade est gagnée, normalement. Victoire de la croisade. Saint-Georges a accordé la victoire au roi Félix, mon cousin Félix, dans la croisade pour l'Arabie. Après avoir vaincu le calife Boutros et ses guerriers infidèles à plusieurs reprises, nos guerriers ont forcé les ennemis de la foi à admettre leur défaite ignominieuse. Saint-Georges est avec nous. Hop, ainsi soit-il.
Très bien. Félix. On pourrait immédiatement revendiquer son titre et tout lui prendre en fait. Ah, c'est un beau morceau là. Ça serait stylé quand même de tout récupérer, de récupérer tout ça avant qu'il commence à se faire défoncer. Bon, du coup, on va disperser les armées. Un nouveau royaume, parfait. On démobilise. Tac. Et tac. Il en est où lui de sa guerre là? Ça avance pas leurs histoires. Hein, bah très bien, tant mieux. Victoire, victoire. Là, on peut partir sur ça, mais on veut garder un peu de renommée pour potentiellement récupérer toute l'Arabie. On va demander de la thune. On a tellement de piété. Ok, on va attendre 6 mois, et après on va récupérer l'Arabie. Hein. Parce que ça va 5 minutes de laisser le roi Félix sur le trône. Une descendance encore, une fille, bordel, c'est bah tant mieux, hein, mais on a fait que ça, on a fait vraiment que ça. Ok, on a terminé. Alors récompenser qui? Le roi Félix d'Arabie. Ok, encore de ma maison. Et encore de ma maison, bah parfait. Forge à Toulon, forge à Foix. Hop. Toulon, Toulon. Les autres n'ont pas terminé? Ah si, j'ai dû les louper. Non, là, c'est pas terminé. Là non plus. Parfait, Marie n'est plus une enfant maladive. Fort Calquier, Carcassonne. Montpellier. Béziers. Carcassonne. Tac. J'ai un oublié. Il manque combien de temps là? 3 mois restants. Bon, ça va. On a le temps. Les infiltrer à Sandor pour que le pape nous kiffe. Allez, on peut tenter. De toute façon, il n'arrête pas de nous enfiler. Alors, il y a une faction qui est créée. Exige l'indépendance. Ouais, bah, c'est encore le fumier là. Ah voilà, on est hérité de la baronnie de Marseille, on va pouvoir la conserver. Ah mais c'est de la merde le poste de surveillance. Ah quoi que non, ça va. On va rançonner les prisonniers. Et c'est parti pour l'Arabie. Hein. Hop. Ah voilà. On peut demander une révocation au pape. Il veut pas parce que j'ai déjà. Ouais, ça va. Bon, du coup, hop, on revendique le titre pour 150 de renommée. Tac. Il est terrifié par nous et il a bien raison. On récupère toute l'Arabie parce qu'on le vaut bien. 26 000 hommes quand même. Hein. Allez, c'est parti. Du coup. On va tout lever. Hein. On va pas prendre le risque de se faire choper. Ah oui, on peut arrêter le rassemblement, effectivement. Mais à quoi bon? Ok, le terrain de tournoi à Arles est terminé. Hop. Et Albi, il reste.
Tac. Pour appeler des alliés, on n'en a pas besoin. On n'a pas encore fini le ralliement. Ok. Ah non, putain, c'est tellement pas terminé. Ok. On va terminer le ralliement. Nouvel atout d'intendance, centralisation, parfait. Allez, allez, on termine là le ralliement, on se dépêche. Plutôt long ces histoires. Attends, 10 jours, bordel, allez. Ok, alors du coup, nouvelle strat. Voilà, hop, on va prendre les trébuchets et 5000 hommes du coup, parce qu'on n'a pas besoin de plus. Voilà, on va assiéger là-bas. Et ils sont où les autres trébuchets? Hop, les trébuchets et 5000 hommes. Et on assiège ici. Tout le reste, on va le placer autour pour éviter qu'ils prennent de trop d'attrition. Ok, là les deux, on va pouvoir les rassembler. C'est très bien. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on voit les ennemis? Pas encore, en tout cas. Deux, tac. On rassemble tout ça. On a combien? 3046. Bon, ça monte fort, hein. Allez, tac. Temps mortel, aïe. On est malade. Mais heureusement, on est balèze. Donc, ne faites que ce qui est nécessaire. Ok, on se sent mieux, c'est très bien. Là, on va assiéger ici. Oh, personne n'est à la tête des troupes, en fait. Allez, hop. Et ici, est-ce qu'on a quelqu'un? Non, on n'a personne. Voilà. Du coup, on va assiéger par là. Hein. Et là, on va pas mettre une vitesse trop rapide parce qu'à tout moment, on se fait gauler par les ennemis. Emprisonner le duc Godefroy. Qu'est-ce qu'il a fait, le duc Godefroy? Pas assez dynastique. En même temps, il y a que des gens de la dynastie partout, donc je le comprends un petit peu. Hein. Je sais pas où il cache ses armures en tout cas. Ah, il a deux guerres. Ah ouais, il commence déjà à se faire grignoter. Donc il vaut mieux que nous on gagne plutôt que lui, lui il perde. Ok, ça c'est bon. On poursuit. On poursuit. On peut aller chasser, mais on n'est pas stressé. Donc on va passer notre tour pour l'instant. Ok, on est quand même positif au niveau des guerres. Des enfants ont besoin de tuteurs. Odd. Odd et Add. Meilleur nom. Du coup, on va les envoyer chez le duc Jean. Il va hériter de beaucoup trop de trucs, lui. Ça me plaît pas du tout. Comment ça se fait qu'il va récupérer notre duché, quoi? Ouais, si son frère ne fait pas d'enfant, bah allez, bah, il faut se sortir les doigts au bout d'un moment.
En plus, sa femme est vieille, putain. Alors, add, tac, envoyer, et ensuite on l'envoie à toi. Voilà. On poursuit. Ok, la guerre de l'Empire byzantin va se terminer. Là, on est arrivé au bout. Est-ce qu'on grid et qu'on va jusque-là ou pas? Non, hein? On va aller par là plutôt. Victoire, parfait. Là, on va reconstituer un petit peu. Ma fille Fanny. Ah oui, Magali, c'est vrai. Hop. Cool. Organiser un banquet, on va s'abstenir. Lui, on peut l'emprisonner. Allez, 95% de chance, on y croit. Parfait. Est-ce qu'on a déjà modifié ton contrat ou pas, toi? Non, du coup. Pareil, on va te négocier ta libération contre un hameçon faible. Et hop, on va modifier ton contrat. On voit le bif. Non, c'est ici là. Allez, fortune d'homme libre. Oublie l'agriculture, un homme tel que vous devrait atteindre la cour. Et il veut m'acheter des terres, c'est mort. Voilà, allez hop, les terres sont à moi et à moi seul. Je pense qu'on va laisser les troupes là à la frontière. S'il y a besoin, on se repliera. Pour l'instant, on a rencontré aucune résistance, hein. Comme dans du beurre. Ou alors l'expression c'est comme Saturnin dans Nicole quoi. Tac, on améliore. On améliore. Ok. Ah, des ennemis. Ok. Ils ont pas l'air nombreux, ok, mais ils arrivent quand même en force. Donc on va essayer de rassembler tout. Là on va reculer. Et là le siège il se passe ici. Ok, parfait, il nous attrape pas. Les 5 mecs là, on va les faire reculer encore. Non, non. J'ai dit les. Non. Faites-moi, nom de Dieu. Voilà, les engins de siège, on va les faire reculer. Et on va se battre avec le reste. Engins de siège, on va les mettre là, histoire qu'ils ouais, les provisions, j'en ai même pas nécessairement besoin. On va les faire rester là. Ok, on a terminé tous les terrains d'entraînement. Est-ce qu'on est au max ou pas? Ça a bien l'air d'être au max, voilà. Tac. Ok, cool. Urbanisation, on y est presque. Et on va lancer la bataille qui va sûrement nous faire passer à 100%. Voilà, 100%. Est-ce qu'il a eu le temps de perdre sa guerre ou pas? Ah, il a peut-être même qu'il a perdu du territoire en fait.
Arabie. Arabie. Non, il ne couvre pas de territoire. Ok, parfait, on passe à 100%. On appuie les exigences. On devient chef. On est au-delà de la limite de vassaux. Vous avez 3 vassaux directs au-delà de la limite qui est de 60. Ah ben voilà, elle est arrivée la limite de vassaux. Elle est où? C'est même pas précisé quelque part, c'est fou quand même. Parce que là je peux pas scroller. Enfin, je peux scroller ça, mais. Et du coup, ben, c'est pas grave, je vais lui rendre le royaume. Le royaume d'Arabie. Félicitations. Hop. Voilà. Et on va l'influencer. On influence qui là? Le pape. Ça servait à rien d'influencer le pape. Tac, on va t'influencer toi. Et pour faire passer la pilule, est-ce que je t'envoie un cadeau? Allez, je t'envoie un cadeau. Ça me fait plaisir. Hop, ok. Ben voilà, ça commence à avoir de la gueule. Il manque plus qu'on prenne ça là. Pour bouter l'Empire byzantin d'Afrique. Donc ça, on s'en occupera très bientôt. Là, on pourrait faire une grande guerre sainte pour récupérer l'Égypte. Mais du coup, il y aurait un gros bout qui nous appartiendrait toujours pas, vu que ça serait pour l'Empire byzantin. Mais en tout cas, je pense qu'on verra ça au prochain numéro. Donc voilà. Merci à ceux qui étaient là sur Twitch, c'était sympa. Si vous étiez sur YouTube, venez faire un petit coucou en live. On s'amuse bien. Et du coup, on se revoit à la suite pour 1155, la suite des aventures de la Maison Cruchot, avec l'empereur Marius III qui est toujours en bonne santé, hein, malgré son alcoolisme notoire. Notre fils, il manque 8 ans avant qu'il soit majeur, donc on va essayer qu'il ne meure pas jusque-là, hein. Allez, portez-vous bien, à plus tout le monde, ciao ciao!